de la, la factorialité de Langlands, du principe de factorialité de Langlands, euh, envisager euh, sous un point d'un point de vue équivalent, comme je l'ai expliqué, euh, le point de vue de ce que j'appelle transformation de Fourier non linéaire et euh, formule de Poisson non linéaire associée. Euh, donc, c'est un point de vue qui, en fait, a été euh, envisagé déjà dans la littérature. Dans un article de Braverman et Kashdan il y a une douzaine d'années et euh, je crois savoir euh, par différents échos que euh, en fait le... il en était question dans certains milieux de mathématiciens depuis euh, bien avant. Euh, donc euh, en particulier je me souviens d'avoir entendu Gromov euh, dire que déjà dans les années 80 euh, euh, dans les couloirs des universités russes euh, euh, il avait entendu ça. Euh, J'ai entendu également euh, Christophe Soulet euh, dire que quand il était élève de Godemans, euh, Godemans en parlait. <laughs> et euh, enfin, euh, je, je sais que dans les années euh, 60, euh, André Veil avait donné un cours à l'IHES, euh, dont il ne reste que le titre, mais le titre c'était euh, « Groupe classique, groupe classique et, euh, euh, et formule de poisson ». Je ne sais pas s'il s'agissait de la même chose ou de quelque chose de différent, euh, j'avoue, je ne sais pas. Euh, voilà. Euh, euh, donc, dans, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est euh, ce que j'ai annoncé ici là, expliquer quelles sont les, les propriétés attendues euh, des transformations euh, de Fourier non linéaires. Je vais expliquer d'abord de quoi il s'agit et quelles sont leurs propriétés attendues. Euh, la semaine suivante, euh, J'examinerai euh, le cas euh, de la fonctorialité entre tors, c'est-à-dire euh, la, la fonctorialité abélienne, euh, qui évidemment est triviale, hein, mais qui euh, malgré tout mérite euh, d'être examinée euh, euh, du point de vue de, des transformations de Fourier et de, 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 des formules de Poisson. Euh, et puis euh, dans deux semaines, le, euh, je, euh, je, je, je passerai euh, au cas euh, général, enfin au cas général, c'est-à-dire au cas non abélien euh, en faisant euh, principalement des calculs euh, pour GL2 GL2 et euh, ses représentations euh, irréductibles qui sont les puissances symétriques euh, alors je dis tout de suite qu'il se peut euh, que euh, trois séances ne me suffisent pas donc, euh, si jamais euh, dans, donc le, le, le jeudi 3 juillet, euh, je n'ai pas terminé ce que je voudrais expliquer, euh, éventuellement, je dirais peut-être qu'on fera une quatrième. Si et s'il reste des auditeurs, euh, je dirais euh, peut-être qu'il euh, y aura une quatrième séance le, le mardi euh, 8 juillet, juste avant le, le début de l'école d'été de théorie analytique des nombres. Enfin, on verra. Hein, donc, pour le moment, ce n'est pas du tout euh, sûr. Euh, 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 voilà. le, la, la, la deuxième chose c'est que le, euh, en fait, le, le, le cours que je vais faire sera euh, à partir d'un certain moment un peu en pointillé c'est à dire que je vais parler d'un certain nombre de choses euh, mais euh, où euh, je n'ai pas eu, euh, eu le temps de faire euh, les, toutes les vérifications que je voudrais donc principalement des vérifications comme quoi un certain nombre d'intégrales convergent bien hein, donc... Euh, le directeur de l'IHES veut qu'on fasse un cours, donc je fais un cours. <laughs> Mais do, donc euh, voilà, enfin je dirais euh, donc euh, ce qui euh, est euh, ce qui est démontré, hein, et puis euh, ce qui euh, demande une vérification plus précise, donc principalement de propriétés de convergence. Voilà. Alors euh, le, donc le, la, donc la situation, euh, enfin ce que je regardais, c'est le, le cas où donc j'introduis d'abord des notations. Donc f est un corps global. Hein, euh, donc un, un corps de fonction ou un corps de nombre. Hein, je vais traiter simultanément euh, les deux. Euh, je note euh, toujours f entre barres l'ensemble des places euh, de f, hein, donc les places ultramétriques, et puis éventuellement archimédienne si f est un corps de nombre. Euh, donc euh, pour toute euh, telle place... Euh, 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 donc, qui est euh, euh, ultramétrique pour les places ultramétriques. Euh, donc, je veux euh, introduire euh, des notations. Donc euh, euh, l'anneau des entiers euh, du, de la complétion F indice x. F indice x désignera toujours la complétion. Euh, donc euh, P indice x une uniformisante. Euh, Qx, euh, le cardinal euh, du quotient de O indice X par l'idéal maximal, engendré donc par l'uniformisante, enfin les notations classiques, le, euh, Vx, donc la valuation, euh, qui va de fx, c'est un homomorphisme, qui va de fx fois dans Z. Euh, voilà, donc euh, j'utiliserai ces notations. Euh, bien sûr, euh, on regardera aussi euh, l'anneau des Adèles. Qui est le produit restreint des complétions FX sur toutes les places. Et euh, on choisit une fois pour toutes un caractère euh, non trivial, donc un caractère additif, euh, continu, donc nécessairement unitaire, puisque ce quotient est compact, et non trivial. Hein. Et euh, bien sûr, ce caractère, il a des, des, des composantes hein. il s'écrit comme un produit. Euh, sur toutes les places euh, de euh, caractères locaux ψx, euh, les ψx sont des caractères euh, continus unitaires des fx. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, toutes ces choses-là sont choisies euh, une fois pour toutes. Euh, alors. Euh, 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 Maintenant, on sait euh, de manière euh, générale qu'une fois qu'on a choisi en, en chaque place euh, ce caractère Psix, il euh, y a une euh, certaine euh, mesure additive associée euh, qui s'appelle la mesure autoduale, euh, DAX, hein, c'est-à-dire c'est la, la mesure pour laquelle la, la transformation de, de, de Fourier est une involution, un signe près. Ça détermine uniquement la, la, la mesure en question. Euh, on a d'autre part que fx fois euh, agit euh, sur les mesures additives euh, par euh, un euh, caractère qui va de fx fois euh, dans euh, R plus fois. Alors, euh, ici, une propriété importante, c'est que euh, donc ceci, dans le cas des, des, des places ultramétriques, euh, on a que ceci, c'est simplement qx à la puissance moins fois la valuation, et en particulier, c'est une norme, une norme ultramétrique. Euh, si, ceci, si fx est le, le corps des nombres réels, c'est la valeur absolue euh, usuelle des réels, et si ceci est les nombres complexes, euh, donc attention, ce n'est pas le module, c'est le carré du module. Hein, donc ce n'est pas une norme, c'est le carré d'une norme. Euh, voilà, donc euh, ça c'est le, le, les objets dont on va se servir. Euh, alors ensuite, euh, bien sûr, on va considérer euh, G, un euh, groupe réductif sur F, euh, 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 qu'on qu va supposer quasi déployé. Euh, donc euh, il est muni d'une paire de borels euh, TB donc T est un tore maximal B est un sous-groupe de borels contenant T et euh, ils sont, ils, tous deux sont définis sur F hein, euh, c'est le sens du, de l'adjectif quasi déployé l'existence d'une telle paire de borels euh, euh, voilà et donc euh, ces choses là sont données une fois pour toutes alors euh, il choisit le borel opposé aussi On a pas le... Une fois qu'il y a le torté, il y a un seul euh, borel opposé, le, le contenant T. Hein, donc, le... Euh, alors, euh, bien sûr, on s'intéresse aux sous-groupes paraboliques euh, euh, P. Alors, les sous-groupes paraboliques euh, P qui contiennent le borel, hein, donc on les appelle standards. Et euh, à chaque euh, sous-groupe parabolique, le, on peut associer euh, un sous-groupe de Levi euh, unique euh, euh, qui euh, contient euh, T. Hein, et euh, ceci, en fait, euh, définit une, une bijection euh, entre les sous-groupes paraboliques standards et euh, leurs images qu'on va appeler les sous-groupes de Levi standards. Hein, on a euh, voilà. Donc, quand on a un tel sous-groupe parabolique, euh, bien sûr, on peut, euh, il s'écrit comme un euh, composé euh, de, de son sous groupe de Levi et de son radical unipotent, hein, dans un sens ou dans l'autre. Euh, voilà. Euh, de quoi aura-t-on besoin encore ben, du, du, du caractère modulaire. Hein, donc, le caractère modulaire, c'est un caractère de p. Euh, qui est trivial sur le radical unipotent. Euh, donc, euh, ceci, bien sûr, ce quotient euh, est isomorphe à MP, donc c'est un caractère qui se factorise à travers euh, MP, et euh, voilà, un caractère euh, multiplicatif, algébrique, et euh, le caractère modulaire, euh, c'est euh, donné par euh, l'action. Euh, sur euh, euh, la, 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 enfin, la puissance extérieure euh, maximale de euh, l'algèbre de Lie euh, de NP, hein, l'action par conjugaison hein, définit un caractère. Hein, donc c'est enfin c'est pas l'action, c'est l'action sur le euh, lambda max de cet espace. Hein, lambda, la puissance, la dimension de cet espace, qui donc est un espace de dimension 1 sur lequel le groupe nécessairement agit par un caractère. Voilà, c'est ce qu'on appelle le caractère modulaire. Euh, alors, de quoi dispose-t-on encore On dispose de euh, G chapeau, euh, donc euh, le groupe dual de G, euh, qui est un groupe euh, réductif euh, sur C. Euh, bien sûr, euh, donc euh, lui aussi est muni euh, d'une paire de Borel. Alors comme C est algébriquement clos, euh, évidemment, un groupe réductif sur C, c'est nécessairement déployé. Hein? Euh, le... Donc le... alors ici la, la propriété importante, c'est que T chapeau, le, le, ce tor maximal de G chapeau, est lui-même le dual du tor maximal T de. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les caractères de T chapeau, donc c'est un réseau, c'est Z à une certaine puissance finie. Euh, s'identifient aux co caractères euh, du torté et euh, les co caractères de t chapeau s'identifient aux caractères de t donc c'est euh, ceci euh, c'est enfin le sens de l'expression qui est employée ici de dual euh, du euh, euh, du tort considéré euh, voilà donc on a euh, tout ça euh, et puis, euh, on va considérer le, le groupe réductif quasi déployé comme muni d'une structure supplémentaire que je vais noter dette indice g. Donc c'est un, un caractère de g hein, qui généralise le déterminant du groupe linéaire euh, habituel. Euh, voilà, on suppose que g est muni d'un tel, tel caractère. Alors évidemment, se donner un tel caractère, c'est équivalent à se donner un co-caractère. Euh, du, euh, un co-caractère central euh, de Z chapeau. Donc, ici, vous avez le centre de Z chapeau qui est, qui est contenu dans T chapeau, euh, qui est contenu dans G chapeau. Hein, et donc, se donner un caractère de G, c'est la même chose que de se donner un co-caractère central. Alors, vous supposez que ce caractère de G est euh, fixé euh, par. Euh, est, est défini sur F. Donc, euh, ça veut dire que ceci est fixé euh, par l'action du groupe de Galois de F. Hein? Une chose évidemment très importante que j'ai oublié de dire ici, c'est que euh, le groupe de Galois de F agit euh, naturellement euh, sur G chapeau et euh, avec toutes ces données. Donc, il agit euh, sur euh, T chapeau, euh, il agit sur B chapeau, euh, etc. Hein? Euh, donc, cette action vient du fait que on a supposé que le groupe réductif G est euh, défini sur F. Euh, voilà, donc euh, c'est la, la, la situation. Euh, alors, euh, maintenant, on peut euh, euh, poser la définition de ce qu'on appelle une représentation de transfert, euh, en suivant Langlands. Euh, donc une représentation de transfert. Euh, rho, euh, c'est quoi? C'est euh, un morphisme euh, qui va un morphisme algébrique qui va de G chapeau, le, il s'agit de morphisme algébrique entre groupes euh, complexes groupe algébrique complexe, alors on prend le produit semi-direct de G-chapeau avec le groupe de Galois. Hein, le groupe de Galois agit sur G-chapeau, donc on peut former ce produit semi-direct, et on va vers le dual de GLR qui n'est autre que GLR de C. Hein, donc c'est une représentation de dimension R de ce groupe semi-direct, par définition. Euh, mais on va demander que euh, plusieurs euh, propriétés euh, soient euh, vérifiées. Euh, donc la première propriété euh, qu'on demande, c'est que le composé de, euh, du co-caractère dual du déterminant indice G, hein, donc c'est quelque chose qui va de C fois dans G chapeau, euh, et de rho, donc ce composé, vous voyez que c'est un, un morphisme qui va de C chapeau dans GLR de C, et donc, on suppose que ceci, euh, ben c'est le, le, le c'est euh, simplement le co-caractère central de GLR de C. Hein? Donc, euh, si, si vous prenez pour G euh, GLR et pour Roux la représentation standard de GLR euh, chapeau, euh, bien sûr, cette condition est, est satisfaite. Et donc, quand, si on a une représentation générale, on peut toujours lui ajouter à, à G-chapeau le centre de GLR de C, puis ensuite définir G comme le dual de, de, de ce G-chapeau élargi pour se retrouver dans cette situation. Hein, donc je dis, ce n'est pas du tout une, une restriction. Hein euh... Euh, donc ça, c'est la première propriété qu'on qu demande. Euh, la deuxième propriété... Euh, qu'on va demander, c'est que ρ euh, envoie le tore maximal de euh, G-chapeau dans euh, le tore maximal de GLR de C, donc c'est simplement C fois la puissance R, hein, le, le, le tort diagonal. Euh, donc euh, cette restriction, euh, en fait, on va la noter ρt, Hein, C'est la restriction d'euro. Bien sûr, quand vous prenez une représentation, quitte à la conjuguer, vous pouvez toujours vous ramener à cette situation. Et la fonctionnalité est invariante par conjugaison. Donc, euh, bien sûr, ce n'est pas du tout restrictif de supposer ça. Donc, à partir du moment où on a un, un homomorphisme qui vérifie ça, ben, euh, cet homomorphisme... Euh, je peux, il, a, il a des, enfin c'est simplement une famille de caractères donc ces caractères je les note roté 1, roté R. Hein, ce sont les composantes de roté euh, la troisième propriété que je demande c'est que euh, le noyau euh, de l'homomorphisme roté euh, est trivial hein, autrement dit on demande que roté soit injectif ah, donc là encore, s'il y avait un, un, un noyau, on pourrait toujours euh, diviser euh, Géchapeau par le noyau. Donc les, les, toutes les conditions que je mets ne sont pas restrictives. Hein euh, enfin, il y a une quatrième euh, condition qui est la qui comme ça paraît euh, plus technique, le, mais euh, qui, elle non plus n'est pas restrictive, et c'est simplement l'occasion euh, d'introduire euh, des, des notations. Alors, euh, quel que soit P un sous-groupe parabolique standard de g, quand je considère des sous-groupes paraboliques, c'est toujours des sous-groupes paraboliques standard. Euh, euh, il existe, en fait, un unique euh, caractère de g que je note le déterminant indice p. donc, c'est un caractère de, de g qui dépend du sous-groupe parabolique. Euh, alors, ce que je, veux, je demande à ce caractère, c'est la propriété suivante. Euh, je veux que le produit scalaire de ce caractère et de la composante ρTi euh, de ρT euh, euh, soit égal au produit scalaire de i avec. Euh, le caractère modulaire que j'ai introduit ici. Hein, donc je, je demande cette condition. Euh, alors attention, ce n'est pas pour tous les, les rotéis, c'est pour tout euh, rotéi qui est le poids dominant euh, d'un euh, 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 facteur irréductible de euh, la représentation rho restreinte à euh, G-chapeau. Hein, J'oublie la partie galoisienne, hein, donc j'ai une représentation, euh, une représentation euh, de G-chapeau, et je demande que les poids des, des, des facteurs irréductibles euh, vérifient cette condition. Hein, donc, euh, voilà, c'est une condition un peu technique. Le... C'est toujours le même GLR ou dépend. du Ah non, 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 non la GLR, c'est le, le GLR de la représentation rho. Hein, donc, euh, c'est le même GLR, mais euh, évidemment, un, je, je n'exige pas que la représentation rho soit irréductible. Hein. Je ne l'exige pas parce que... Euh, euh, ça ne dépend pas de P, ça. Oui, ah non, 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 le caractère dette P dépend de P. Hein, par exemple, si vous prenez. Euh, voyez, si, euh, par exemple, vous prenez P égale G, euh, bien sûr, le, le, le dette P, c'est le caractère trivial. Hein? Mais on va voir euh, le, tout de suite le, pourquoi j'introduis ça. Le, le, euh, voilà, donc ici j'ai terminé euh, l'énoncé de la, la définition. Donc les, les caractères d'etp vont être utiles, en fait. Le... Et euh, je vais tout de suite dire euh, pourquoi euh, ils sont importants, le... au moins dans, dans l'exemple, enfin dans, dans, dans des exemples. Alors d'abord, je veux faire des, euh, des remarques. Euh... Euh, premièrement, euh, ici j'ai dit que le, ce, je demande que ce caractère soit unique, euh, mais en fait euh, l'unicité euh, 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 de 4 euh, provient euh, de la propriété 3. Hein, la propriété 2 à 3, j'ai demandé que euh, ici le, le, euh, euh, les no, le noyau de, de Roté soit, euh, soit trivial. Hein euh, donc euh, le, et euh, je, maintenant, je, euh, bon, je, on peut remarquer que l'existence est assurée euh, si euh, on a un isomorphisme de ZG chapeau dans euh, z rho, chapeau. Alors ici, euh, euh, ZG euh, chapeau F, c'est quoi c'est l'ensemble des éléments du centre de G chapeau euh, qui sont fixés euh, par euh, le groupe de Galois. D'accord Et ici, euh, ça c'est quoi euh, C'est euh, euh, le, euh, le centre euh, du sous-groupe euh, des automorphismes de Rho. Euh, dans euh, GLR de c. Donc par exemple, si votre représentation est irréductible, euh, ici vous avez simplement euh, les scalaires, hein, vous avez c fois, et euh, donc euh, il vous suffit que le, le, la partie euh, f rationnelle du centre de G chapeau soit également c fois. Et dans ce cas-là, euh, voilà. Donc c'est une condition un peu technique, le, euh, mais je vais tout de suite expliquer pourquoi. C'est le centre du sous-groupe des automorphismes de rho. Hein, C'est-à-dire les éléments de GLR de C qui, euh, qui commutent avec l'homomorphisme la, 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 ρ. Euh, euh, alors, euh, une deuxième groupe important, remarque importante, c'est la suivante. C'est que si j'ai euh, donc un M, un sous-groupe de Lévis standard, euh, qui provient... Euh, d'un sous-groupe parabolique euh, standard euh, P. Euh, bien sûr, euh, le dual M-chapeau euh, de euh, euh, M euh, et un, un sous-groupe de Lévis standard de G-chapeau. Et euh, euh, ici, euh, si on a une représentation de transfert, c'est-à-dire un homomorphisme qui vérifie euh, toutes ces conditions, eh ben, je peux le restreindre à M-chapeau. Et euh, on obtient euh, une représentation de transfert induite euh, qui, euh, en fait, on peut vérifier qu'elle euh, qu vérifie toutes les conditions que j'ai dites, le, en particulier la, 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 la propriété 4. Le, euh, euh, voilà, le, donc c'est pour ça que je n'ai pas demandé que la représentation est irréductible, est parce que quand on restreint un, un sous-groupe de Lévis, euh, la, on, évidemment, en général, on perd la propriété d'irréductibilité. Oui, GLR chapeau, c'est GLR de C. C'est le dual de GLR. Alors, euh. Alors je donnais des... Euh. Euh, des exemples. Le, bon, d'abord, évidemment, le, le, le premier exemple, c'est euh, G égale GLR et euh, rho égale la représentation standard de GLR de C. GLR de C euh, agissant sur C puissance R euh, de la manière euh, naturelle. Alors, euh, dans ce cas-là, euh, ben, on peut voir que le, le déterminant indice G, évidemment, c'est le déterminant classique et euh, le déterminant indice B c'est simplement euh, le déterminant à la puissance r-1. Donc ça veut dire que le, le produit des deux, euh, c'est le déterminant à la puissance r qui intervient dans la transformation de Fourier euh, sur, euh, GLA, sur, MR2C, sur mr de hein? c. Euh... Alors, euh, le, le, le deuxième exemple euh, qui, en fait, euh, pour nous, euh, va être euh, quelque chose qu'on va suivre tout le temps, c'est euh, quand G chapeau est égal à GL2 de C, et euh, la représentation qu'on considère, c'est la puissance symétrique, Simk, donc ça va de GL2 de C, euh, qui est, euh, donc ça va de G chapeau. Euh, dans euh, GL indice K plus 1 de C. Hein, donc, c'est euh, une puissance symétrique euh, KM euh, d'une matrice de 2. Alors, évidemment, si on veut que la, la propriété euh, 3 d'injectivité soit vérifiée, ici, il faut diviser par le noyau. Euh, le noyau, c'est mu K hein, les racines KM. Euh, donc, euh, voilà, on va prendre G chapeau égale GL de 2C sur mu K. Hein, euh, mu k, euh, ça c'est euh, l'ensemble des z appartenant à c fois tel que z puissance k égale 1. Euh, euh, alors, euh, ici, donc, euh, bon, il est bon de, de, de calculer euh, le, quels sont exactement les objets qu'on a. Donc le xt chapeau. Euh, c'est-à-dire les caractères de t-chapeau, c'est l'ensemble des n1, n2 appartenant à z au carré, tel que n1 plus n2 euh, soit un multiple de k. Hein, parce que ici on a divisé par mu k. Et donc, euh, les co-caractères de, de t-chapeau, euh, c'est l'ensemble des r1, r2 appartenant à q au carré tels que R1, R2 appartiennent à 1 sur Kz, et R1 moins R2, la différence est un entier. Hein, donc euh, pour les, les termes individuels, il y a un dénominateur K qui est autorisé, mais la différence doit être un entier. Voilà. Euh, alors, on peut dire aussi que les poids de Rho, il euh, ben, y en a qu'à plus 1, euh, c'est quoi ben, C'est les, euh, les poids, euh, euh, les, euh, évidemment c'est des éléments du groupe des caractères, hein, et c'est les huplets euh, I K moins I, c'est les couples I K moins I, avec euh, I compris entre 0 et K. Hein, donc euh, la, la somme est égale à K, c'est bien un multiple de K. Hein euh, alors, euh, maintenant, donc on connaît G-chapeau, euh, c'est ce quotient, euh, on se demande ce que c'est que G. Alors, vous voyez que euh, G-chapeau, c'est un, un quotient de GL2 de C. Donc, vous allez avoir que G lui-même est muni d'un morphisme euh, vers euh, GL2, considéré sur votre corps global F. Alors, euh, de manière précise, qu'est-ce que c'est euh, euh, ben, vous avez euh, un carré euh, cartésien comme ça, ici euh, vous prenez euh, le déterminant, d'accord. ici vous avez Gm, et là, ça c'est euh, euh, l'opération la, 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 d'élever à la puissance Km, hein et euh, donc euh, G c'est simplement ce produit fibré. Euh, voilà, donc ça veut dire que les, les éléments de G, les points de G, j'aurais peut-être dû écrire les points à valeur dans un corps quelconque, euh, eh bien, euh, on peut les écrire sous la forme suivante G euh, complété par une racine KM du déterminant. On demande que le déterminant soit une puissance Km dans le corps ou l'anneau de coefficient. Donc, ici, ceci est un élément de GL2 et ceci est un élément de GM, un coefficient dans un corps ou un anneau. Donc, les, en fait, les éléments de G, on les notera toujours comme ça. Et de même, ben, on a. Euh, t euh, s'inscrit euh, dans un carré cartésien, donc vous avez gm, gm, t2, donc ici c'est simplement euh, euh, quand vous avez deux, euh, deux composantes, lambda, les deux composantes lambda 1 et lambda 2, t2, t2 c'est gm au carré, ce que vous leur associez c'est leur produit. Hein? Donc ça veut dire que les éléments de t, euh, c'est des triplets constitués de lambda 1, lambda 2, Hein, deux scalaires multiplicatifs, et une racine KM euh, du produit. Voilà. Hein, donc j'utiliserai ces notations, je pense que c'est vraiment euh, sans ambiguïté, enfin, euh, c'est... Voilà. Euh, alors, euh, donc ça c'est la situation. Euh, donc, le... Ensuite, le paragraphe 2, donc forme et euh, propriété attendue. Euh, alors, euh, propriété, euh, j'ai envie de dire propriété générale attendue, hein, parce qu'après je, je vais devenir plus précis. Hein, donc euh, là, ce dont je parle, c'est des transformations de Fourier non linéaires. Hein, donc euh, le. Euh, donc, je, je, je vais dire ce que, ce que j'entends par une transformation de Fourier euh, non linéaire. Euh, donc, euh, euh, ben on considère comme euh, au paragraphe précédent, donc un groupe réductif G quasi déployé, euh, avec son déterminant, hein, le dette indigé, et avec aussi une représentation de transfert ρ, euh, hein, qui va de, du produit semi-direct dans euh, GLR de C, le dual de GLR. Euh, alors euh, ici on va euh, introduire des caractères. Euh, donc d'abord euh, dette indice ρ, c'est un caractère qui va de G dans euh, GM et qui est défini comme le produit du dette indice G et euh, du dette euh, et du debt euh, euh, indice B. Hein, avec euh, la voilà hein, donc det indice b c'est un caractère qui vérifie cette propriété hein, donc si la représentation est réductible il y a simplement une condition hein? donc euh, voilà le, le... pardon c'est le produit des caractères hein? et puis euh, ensuite j'ai le det indice rho m euh, donc lui c'est un caractère qui va de m euh, dans euh, Gm et euh, par définition, euh, c'est égal au dette indice G. Vous voyez, le dette indice G apparaît partout, hein, indépendamment du, euh, du, euh, du sous-groupe de Lévi que vous considérez. Mais euh, vous le multipliez par le dette euh, du sous-groupe de Borel de M, c'est-à-dire le dette de B inter M. Voilà, donc c'est la, la, la même chose, sauf que vous avez remplacé G par M. Vous hein, euh, voyez que les, les, les caractères ici et là, euh, quand on les restreint au tord, euh, évidemment, ne sont pas les mêmes. Euh, alors, euh, voilà, donc c'est une définition dont on va avoir besoin. Euh, alors, une remarque euh, qu'on peut faire immédiatement, c'est que si M est égal à T, hein, donc, donc la partie torique, la partie abélienne de notre groupe, euh, bien sûr, on a que le det indice ρT est égal au dette indice G. Hein, dans ce cas-là, il n'y a pas de facteur supplémentaire. Euh, euh, bon, ensuite, euh, donc je regarde les, les, les exemples classiques. Donc d'abord, si G est égal à GLR et Roux est la représentation standard, eh bien tout à l'heure, j'avais écrit que le dette indice G, c'est le déterminant au sens usuel. Le dette indice B, c'est le déterminant au sens visuel à la puissance r moins 1, donc le det indice ρ, euh, c'est euh, le déterminant euh, à la puissance r. Alors, le, le, la deuxième famille d'exemples que je veux regarder, c'est bien sûr euh, g chapeau égale gl2 de c divisé par mu k, euh, et ρ égale euh, la représentation donnée par la puissance symétrique Km. Alors, euh, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que le dette indigé G de G euh, Donc, je rappelle, les éléments hein, de G s'écrivent comme ça un élément de GL2 complété par une racine Km de son déterminant. Alors, quel est le dette indice G dans ce cas-là Eh bien, euh, c'est la racine Km du déterminant. Hein, donc euh, vérifiez. Et alors qu'est-ce que c'est que le det indice B euh, de la même chose euh, Eh bien euh, cette fois c'est le déterminant. Hein, donc vous obtenez que le det indice B c'est le det indice G à la puissance K et le det indice euh, Rho c'est le det indice G à la puissance K plus 1. Vous avez le dette indice rho est égal au dette indice g à la puissance k plus 1. Hum. Alors, hum. maintenant, on va on va donner une, une première définition de ce qu'on entend par transformation de Fourier. Euh, 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 donc, une, alors, on choisit une place arbitraire de f. Hein, les transformations de Fourier sont des, des, des objets locaux. Hein Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation de Fourier Qu'est-ce qu'on qu qu entend par une transformation de Fourier sur G de FX euh, Eh bien, c'est un opérateur linéaire, qui est noté comme ça, mais a des, des, des chapeaux, donc ça transforme des fonctions sur G de Fx en des fonctions sur G de Fx. Hein, opérateur linéaire. Alors, on peut se demander quel type de fonction. A priori, ici, on, a, on prend euh, les, les fonctions les plus régulières possibles, c'est-à-dire des fonctions localement constantes, à, des fonctions de Schwartz, hein, localement constantes à support compact si la place est ultramétrique, ou bien euh, C infini à décroissance rapide si la place est archimédienne. Et puis là, bon, euh, a priori, euh, on a euh, des... Euh, des, des, des fonctions euh, beaucoup, beaucoup plus générales, là, je ne précise pas. Mais euh, le, ce que je veux, euh, c'est la chose suivante, c'est une propriété, euh, une double propriété de compatibilité avec les translations à gauche et à droite. Hein, donc euh, ce que je demande, c'est... Alors, euh, -ce, j'introduis des notations. Euh, Qu'est-ce que c'est que f de x g, donc par définition, donc f de x g d'une variable euh, que je note comme ça, c'est simplement f de, x de la variable que multiplie g à droite. Et puis euh, on a f de x de g avec le g que je mets à gauche, euh, c'est f de x de euh, la variable que cette fois je multiplie par g à gauche. Hein, donc je regarde les translations à gauche et à droite. Donc, euh, ce que, donc, les propriétés que j'écris, c'est des propriétés de compatibilité de la translation de Fourier avec les translations à gauche et à droite. Alors, quelle est la propriété que je veux, la, la, la double propriété que je veux, hein, parce que je m'intéresse à la fois aux translations à gauche et à droite. Donc, ici, on veut simplement que ça soit euh, la transformée de Fourier translaté à gauche par g moins 1, hein? ici ça va être la transformation de Fourier, euh, translaté à droite par g-1, mais attention, euh, avec un facteur, donc le facteur que je demande, c'est le det indice rho de g norme indice x à la puissance moins 1. Et ici c'est le det indice rho de g norme indice x à la puissance moins 1. Alors, vous remarquez que dans le cas de GLR, le dette indice Rho, c'est le dette à la puissance R. Et ça, c'est bien la propriété habituelle de compatibilité avec les translations à gauche et à droite de la transformation de Fourier usuelle sur MR. Euh, voilà, donc euh, ce qu'on appelle une transformation de Fourier, euh, c'est ça. Alors, euh, ces propriétés-là. Euh, sont euh, équivalentes le, au fait suivant, euh, c'est euh, que la, la transformation de Fourier est donnée euh, par euh, une intégrale ou peut-être une distribution. Enfin, là, on va écrire. Euh, euh, en fait, on va s'intéresser à des vraies intégrales. Ce qu'on qu va introduire, c'est des vraies intégrales avec des vraies fonctions, mais a priori, ça pourrait être des distributions. Donc, euh, alors l'intégrale, je l'écris comme ça fx de g que multiplie kx de g, g prime. Alors, euh, qu'est-ce que je veux euh, là-dedans euh, euh, Ce que je demande, c'est que... Euh, donc Je demande deux choses. D'abord, ce que je note des indices rho de g, c'est une mesure sur g de fx... Euh, euh, que les, les, euh, les translations à gauche ou à droite transforment par le caractère euh, d'être indice rho D'accord hein, Je demande une mesure. Donc je pense que c'est assez clair. Hein, une mesure, si, euh, si on la multiplie à gauche ou à droite euh, par un élément. Eh bien La mesure est multipliée par la valeur de cette fonction, cet élément. Hein, donc ce n'est pas, pas tout à fait une mesure invariante, c'est une mesure qui est invariante modulo division par ce caractère. La, la norme du dette in rho. Hein, exactement comme euh, la mesure. Vous voyez, quand vous avez la transformation de Fourier sur MR, vous prenez la mesure additive de MR, et euh, cette mesure additive de MR, elle est transformée par la multiplication. Euh, par le caractère dette puissance R, norme de dette puissance R. Euh, voilà. Pourquoi tu mets un G C'est un peu comme une veux dire le G Non, non le G, c'est la variable. On intègre en G. D'accord. C'est pas une déroute, c'est une mesure. Oui, enfin, le, bon. Euh, voilà, mais le, la, voyez, je, la mesure, je vais l'écrire comme euh, cette mesure multipliée euh, par... Euh, vous voyez, une certaine densité. Hein, donc c'est pour ça, que, bon, disons, ça me permet d'introduire ma variable. Un d, donc le rho est en indice, hein, le, le rho est en indice, c'est un d indice rho de g. Hein, parfois, je peux avoir besoin de la mesure invariante, que je noterai simplement dg. Non euh, voilà, enfin, le, bon. euh, Donc ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est que la fonction... Cette fonction-là, euh, donc c'est une fonction qui va de g de fx dans c euh, et euh, qui est invariante par conjugaison. Alors pourquoi. La... Bon, d'abord, le fait d'avoir une compatibilité avec la multiplication à. Avec la multiplication à droite, ça dit exactement que la transformation de Fourier est sous cette forme-là, où kx est une certaine fonction. Et puis le fait qu'il y ait également la compatibilité avec la multiplication à gauche, avec la même loi, ça nous dit que la fonction kx qui est là est invariante par conjugaison. Hein, donc exactement comme dans le cas classique, ici, vous avez simplement la trace, enfin le, un, le caractère psi x composé avec la trace, qui est bien invariant par conjugaison. Mais donc, ce qu'on cherche, c'est des transformations de Fourier de cette forme. Euh... Voilà. Euh... Tu... Gaulle le groupe J dans de plus gros. ne pas. Toi. Non. Ben, si vous songez à, à, au cas de la, 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 la transformation de Fourier Usuel, bon, bien sûr, dans la transformation de Fourier Usvel, on intègre sur MR. Mais dans MR, GLR est, est un ouvert dense. Donc, c'est la même chose que d'intégrer sur, sur GLR pour la mesure induite. Non, non, je, je... Bien sûr qu'on oublie des choses hein, là, si on passe de, de, de MR à GLR. Ce qu'on oublie, c'est les termes de bord. Les termes de bord ne sont pas importants pour la transformation de Fourier, mais évidemment, ils sont importants pour la formule de Poisson. Hein? Donc, le. Enfin, ils ne sont pas importants pour la transformation de Fourier. Disons que le, on, on peut formuler la transformation de Fourier sans faire référence au bord de, euh, de, 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 de GLR dans MR. Oui, 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 oui. Là, non, non, mais là, ça, je vais, je vais venir à ça, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, alors. Euh, alors, maintenant. Euh, euh, évidemment, il y a une opération importante euh, dont on a besoin, qui est l'opération de calcul des termes constants des fonctions. Donc si j'ai une fonction euh, f indice x qui va de g de fx euh, dans c, et puis que je considère un sous-groupe parabolique euh, standard, comme d'habitude, donc c'est le produit de son sous-groupe de Lévy par son radical unipotent, euh, bien sûr je peux regarder euh, np de fx et euh, le munir d'une certaine mesure qui est induite par la, par exemple la mesure induite par la mesure additive de, de fx que j'ai déjà choisi, j'ai dit que je prenais la mesure autoduale. bon et donc euh, maintenant on, a, on peut euh, prendre euh, les termes constants donc si on a une telle fonction, ben, on va noter fx np donc c'est une fonction qui va du sous-groupe de Lévy euh, dans C, à un élément, on associe delta P de M, la norme, euh, donc ça c'est un terme correctif, que multiplie euh, l'intégrale sur NP de FX de du FX de UM. Hein? Euh, donc, euh, alors pourquoi est-ce qu'on a introduit ce caractère C'est parce que euh, ceci est égal à delta P de M x à la puissance 1,5, hein, donc ici on avait moins 1,5, là on a 1,5 de l'intégrale sur np de fx, du de fx de mu. Bien sûr, euh, il n'y a pas de raison a priori d'intégrer sur le long des, des u à gauche ou à droite, hein, donc euh, pour avoir quelque chose de symétrique, on introduit la racine carrée du caractère modulaire, qui est le caractère qui, qui, qui assure le changement de variable pour passer d'une translation à gauche à une translation à droite. Euh, donc euh, voilà, vous avez cette opération. Et euh, maintenant, euh, euh, avec tout ça, euh, on peut préciser le type de, de transformation de Fourier qu'on veut. Euh, donc je, je vais appeler ça un, un problème. Problème 1.4. Hein, euh, euh, donc on se donne euh, rho, euh, pardon G et puis la représentation de transfert euh, Rho. Et euh, on voudrait associer à ça euh, ben un opérateur de transformation de Fourier euh, en toute place X. Hein, donc transformation de Fourier, je veux dire quelque chose qui vérifie ses propriétés. Euh, donc euh, euh, cet opérateur, euh, je vais le, donc, euh, il est donné par euh, donc une intégrale euh, comme ça, l'intégrale sur g de fx, de d indice rho g, fx de g. Et puis là, le noyau que je cherche, je vais le noter euh, kx rho de g euh, point. Hein, donc euh, simplement le kx de tout à l'heure, je le note avec un rho. Maintenant, je vais, préciser, euh, euh, ce que, euh, je vais préciser un peu plus ce que je veux, ce que j'attends euh, de cet opérateur. Donc, euh, cette, enfin, si cet opérateur est bien défini, je l'appellerai la, la rho euh, transformation de Fourier. Alors, qu'est-ce que j'attends de lui Euh, en fait, j'attends de lui beaucoup de propriétés, mais là, je commence par les, les, les propriétés qui, les, les, les plus simples. Euh, alors d'abord, je veux... Euh, voilà, je demande... Deux conditions. Euh, la première condition, c'est une, une condition de compatibilité avec les termes constants. C'est-à-dire je considère une fonction fx et sa transformation de Fourier, et je regarde le terme constant, ici je considère un sous-groupe parabolique standard quelconque, et je considère le terme constant fxnp, donc c'est une fonction de mp de fx dans c, et puis je, je considère aussi le terme constant associé à la transformation de Fourier de fx. Hein, donc euh, c'est également une fonction qui va de mp de fx euh, dans c. Alors, euh, euh, je ne vais pas demander tout à fait que ceci soit la transformation de Fourier de ça, parce que déjà dans le cas de JLR, ce n'est pas le cas. Il euh, y a une torsion par un caractère. Donc ici, euh, on met le caractère qu'on attend. C'est le det indice p, euh, x puissance 1 demi, et donc là le delta indice p de x à la puissance 1 demi. Euh, voilà, donc euh, on prend, vous voyez, les, deux, les, 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 les termes constants de, de la fonction et de sa transformée de Fourier, on tord par ce caractère, et ce qu'on demande, la première propriété qu'on demande, c'est que euh, ceci égale euh, bah, la, la transformée de Fourier, euh, la, euh, la roue indice m transformé de Fourier euh, de la première fonction. Hein, donc euh, ça veut dire que le, le passage au terme constant est compatible avec les transformations de Fourier euh, modulo multiplication par un caractère. Euh, donc ça c'est la première propriété que je demande. Et la deuxième propriété euh, que je demande c'est que l'opérateur de transformation de Fourier euh, fx flèche fx chevapeau soit unitaire. Donc euh, unitaire, bah, ça veut dire euh, qu'il respecte euh, le produit scalaire hermitien euh, qui est défini comme ça. Donc c'est l'intégrale sur g de fx de f1 de g F2 de G bar pour la mesure dérogée. Toujours la même mesure. Hein, donc c'est les, les, les deux propriétés euh, que euh, je demande pour l'instant, hein, ensuite je vais en demander d'autres, euh, la, la compatibilité au terme constant et l'unitarité. Euh, alors, la, la, la première remarque qu'on peut faire, c'est que l'unitarité, euh, c'est équivalent, euh, donc la propriété 2, c'est équivalent au fait suivant, vous avez d'une part euh, la euh, transformation de Fourier, et puis vous avez d'autre part euh, l'opérateur euh, qui est donné euh, par la même formule. Euh, que la transformation de Fourier, euh, euh, voilà, ici c'est la variable, mais en remplaçant le, le noyau par son conjugué. Et donc l'unitarité, c'est équivalent à dire que cet opérateur est l'inverse de l'autre. Hein, donc c'est juste une remarque. Euh, bon, euh, voilà. Alors, euh, donc ici j'ai dressé la liste des, euh, des propriétés, euh, des, des, des premières propriétés générales euh, de la transformation de Fourier que je veux, mais c'est évidemment pas du tout suffisant. Euh, maintenant, euh, il faut aller plus loin. Euh, donc c'est le, le paragraphe 3, euh, que je vais commencer, puis on va peut-être faire une pause. Euh, de décomposition euh, spectrale euh, locale. Alors, euh, <laughs> donc, euh, le, pour expliquer les choses, je vais d'abord considérer le cas des places ultramétriques. Et en fait, aujourd'hui, je considérais uniquement le cas des places ultramétriques. C'est le, 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 le cas des places archimédiennes doit être formulé de manière un peu différente. Donc, je le ferai la semaine prochaine à, à l'occasion de, des, des torts. Euh, voilà, donc euh, x est une place de f que je suppose ultramétrique. Euh, bon, alors on considère g de fx, hein, qui est un groupe euh, euh, totalement discontinu, euh, localement compact, euh, et euh, je le munis d'une mesure invariante, DG, hein, ce n'est pas la même que tout à l'heure, cette fois c'est une mesure invariante. Et donc, euh, j'ai euh, une algèbre de convolution associée. Hein, euh, c'est l'algèbre des fonctions euh, localement constantes à support compact sur g de fx, euh, plus euh, le produit de convolution défini par cette mesure. Euh, alors évidemment, euh, cette algèbre, euh, c'est la réunion filtrante. De, des sous-algèbres de fonctions invariantes à droite et à gauche par un sous-groupe compact ouvert K. Cette algèbre n'est pas unitaire, mais elle a la réunion de ces algèbres qui, elles, sont unitaires. Avec des unités qui, bien sûr, varient suivant, suivant K, et c'est une réunion filtrante. Euh, alors. Euh, on s'intéresse euh, bien sûr euh, aux représentations. Euh, Donc je vais euh, noter euh, de cette manière-là l'ensemble des classes d'isomorphismes de représentations euh, lisses, euh, admissibles, irréductibles de euh, G de Fx ou ce qui revient au même de la GEP de convolution euh, que j'ai notée Hgx. Hein? Alors, même si vous ne savez pas ce que signifie euh, lisse admissible, euh, ça ne fait rien, euh, vous prenez simplement irréductible, des représentations irréductibles. La seule chose que, qui est importante à savoir, c'est que ces représentations sont euh, donc irréductibles au sens habituel des représentations de groupe, mais il faut savoir qu'elles sont énormes, elles sont de dimension infinie, hein, sauf les caractères, évidemment. Euh, alors, euh, ceci est euh, la réunion filtrante de sous-ensembles. Euh, que je note de cette manière-là. Donc, ça, c'est quoi C'est l'ensemble des π, tel que le sous-espace, donc ça, c'est l'ensemble des v appartenant à l'espace de π, euh, tel que euh, kv égale v, c'est-à-dire pour tout élément de k, euh, son action sur, sur v est triviale. Hein donc, on demande que ce sous-espace soit différent de 0. Voilà. Donc, l'ensemble des π qui vérifie ça, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des représentations irréductibles euh, et euh, on peut dire aussi que euh, c'est le sous-ensemble euh, des représentations lisse admissibles irréductibles euh, de l'algèbre hgxk hein, c'est un lemme euh, de savoir que le, euh, dire que, ce, enfin, que voilà que quand on met cette condition eh ben, en fait on récupère exactement les représentations irréductibles de cette sous-algèbre beaucoup plus petite euh, alors, donc, on considère ces deux ensembles et euh, une chose euh, dont on a besoin, euh, c'est euh, de, 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 de voir euh, ces ensembles, les ensembles que j'ai notés pgx ou pgxk euh, comme ayant une structure. ce n'est pas seulement des ensembles, ils ont une structure naturelle. Euh, en fait, une structure algébrique, une structure de variété algébrique. Alors, la manière la plus simple de définir cette structure, c'est la, la, la suivante. Donc, on considère toutes les fonctions euh, de H, G, X, K dans C euh, 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 qui sont de la forme euh, à π. Euh, J'associe la trace sur π. Euh, d'un élément h où h est un élément arbitraire de, cette, ah excusez-moi ici c'est pas h, c'est l'ensemble des pi g x k hein, donc ici c'est un élément de h g x k il hein. faut savoir les représentations irréductibles de h g contrairement aux représentations de l'algèbre de convolution tout entière c'est des représentations de dimension finie donc ça a un sens de prendre la trace et comme ça, en choisissant une fonction, eh ben, on définit une fonction. Et en choisissant une fonction h, il euh, y a une fonction associée sur l'ensemble des représentations, la fonction trace. Et euh, le... donc je regarde toutes les fonctions qui sont définies de cette manière-là, sur cet ensemble, et euh, on a une algèbre engendrée euh, de fonctions sur l'ensemble pi gxk. Donc c'est toutes les combinaisons linéaires de produits de fonctions définies de cette forme. Euh, et euh, donc cette cet algèbre engendrée, on va la noter AGXK et on va l'appeler, c'est une convention, on va l'appeler l'algèbre des polynômes sur l'ensemble PGXK. Donc c'est une convention. D'accord et euh, ici, évidemment, le, le premier résultat, c'est que cet ensemble euh, se plonge dans le spectre au sens de la géométrie algébrique. En fait, oui, la première chose à dire, c'est que ces algèbres AGXK, euh, euh, en fait, le, sont des, euh, des algèbres de type fini. Euh, c'est même des produits d'algèbres de type fini intègre. Donc leur spectre, c'est simplement une réunion disjointe de variétés complexes irréductibles. Et on a que ceux-ci se plongent dans cette réunion disjointe comme un ouvert de Zariski. Donc attention, ce n'est pas tout, hein euh, mais c'est un ouvert de Zariski. Voilà. Et donc, euh, ces ensembles-là euh, récupèrent une structure algébrique. Euh, voilà, alors maintenant, euh, évidemment, si on a deux, euh, euh, deux sous-groupes ouverts, K et K', euh, avec k qui est plus petit que k eh bien l'ensemble associé euh, comme ça se plomb, enfin s'envoie, euh, s'envoie dans euh, euh, l'ensemble associé à k euh, Non, c'est le contraire. Euh, euh. Évidemment, quand, quand, quand K est plus petit, il y a plus de représentations. Hein, donc vous avez euh, le, donc, euh, a priori une, une inclusion comme ça. Et euh, donc là, un résultat supplémentaire, c'est que ceci, cette flèche-là, est une immersion ouverte et fermée. Autrement dit, elle identifie ça à une réunion de composantes connexes de ça. Voilà, tout ça c'est des faits de la théorie des représentations. Euh, alors, euh, maintenant, euh, j'ai besoin euh, dans euh, l'ensemble pi, euh, pi gx ou πgxk, euh, de quelque chose que je note de cette manière-là, la partie imaginaire. Alors, euh, c'est quoi C'est l'ensemble des représentations pi qui sont unitaires et tempérés. Bon, alors si vous ne savez pas ce que veut dire tempéré, ça ne fait rien. Euh, prenez simplement unitaire. Euh, déjà, euh, bon, si vous pensez par exemple à des caractères, vous comprenez bien ce que ça veut dire de prendre parmi tous les caractères simplement ceux qui sont unitaires. Hein, euh, vous voyez je note ça comme une partie imaginaire parce que si on note les caractères de manière exponentielle évidemment le fait d'être unitaire ça signifie que l'exposant est un nombre complexe imaginaire hein, donc c'est pour ça que je le note comme la partie imaginaire de ça bon et alors euh, on a que ceci est une sous variété réelle de la variété algébrique complexe PGXK bon euh... Alors, euh, vous voyez, de, euh, alors maintenant, euh, il y a une, quelque chose d'extrêmement important qui est ici, c'est que cette chose-là, cette variété réelle, est munie d'une mesure uniquement déterminée, d'épi, donc on appelle ça la mesure de plancherelle. Euh, telle que la, la propriété suivante soit vraie, c'est que pour tout élément de l'algèbre des fonctions à support compact invariante à droite et à gauche par k, la valeur de cette fonction en 1 est égale à l'intégrale sur toutes les représentations pi, alors attention les représentations unitaires tempérées, pour cette mesure-là de la trace de h, euh, dans la représentation. Il y a une unique mesure qui vérifie cette propriété, qui s'appelle la mesure de plancherelle. Alors vous voyez que, le, a priori, c est, c est, y a, au moins il n'y a pas de, contra de contradiction évidente à l'existence d'une telle chose, parce qu'ici, vous vous dites, mais les, les traces, euh, c'est toujours des fonctions centrales, c'est des fonctions qui sont invariantes par conjugaison. Donc on ne peut certainement pas euh, réaliser une fonction quelconque de, de h comme une combinaison linéaire de fonctions centrales. Mais ici, la valeur de H en 1 est aussi euh, invariante par conjugaison. Hein? Donc vous avez une, fonction, une fonctionnelle sur les H, invariante par conjugaison, que vous écrivez comme une intégrale de fonctionnelles euh, qui sont simplement les traces. Voilà, donc ça c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un résultat vraiment euh, de, 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 central euh, de, de l'analyse harmonique. Hein? Et on va s'en servir. Euh, donc on va faire la pause bientôt, mais, là, enfin, dans, dans, mais je, je veux terminer les, les rappels. Euh, alors, le, le, bon, euh, si on a un élément euh, de cet ensemble de représentations, euh, une autre chose importante, c'est que on peut lui associer sa contra euh, Donc, euh, la. Ah, Excusez-moi, là je mets pas de k simplement là, donc la contre-gradiante de pi euh, c'est euh, l'espace des formes linéaires sur l'espace pi euh, qui sont invariantes par un sous-groupe ouvert compact hein, qui peut être arbitrairement petit qui dépend de la forme linéaire mais euh, bien sûr que cet espace là est, est, est stable par l'action du groupe il définit une représentation du groupe ou de l'algèbre de, de convolution, l'algèbre de Hecke, euh, et euh, on appelle ça la représentation contra euh, Alors, euh, euh, donc euh, voilà, on dispose de cette euh, représentation contra et à partir de là, on peut définir une autre notion importante, ce qui est ce qu'on appelle les coefficients matriciels. De π. Alors qu'est-ce que c'est que les coefficients matriciels de π C'est des fonctions sur g de fx à valeur complexe qui ont la forme suivante. A g, j'associe euh, 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 la valeur sur une forme linéaire v de d'un vecteur v translaté par g. Ce qui, bien sûr, est la même chose que euh, g-1 de v de pris euh, sur v. Voyez, donc je regarde ici, le, donc on a V un vecteur arbitraire de π et V de un vecteur arbitraire de la représentation contre hein, Donc les fonctions de cette forme, on les appelle des coefficients matriciels. C'est des fonctions sur G, les fonctions de G de Fx de cette forme, on les appelle des coefficients matriciels. Alors, euh, en fait, je vais même appeler coefficients matriciels les combinaisons linéaires de telles fonctions. Hein, je prends l'espace vectoriel engendré. Ça sera plus commode pour moi. Alors, donc avec tous ces rappels, on peut énoncer le théorème suivant, le, qui, est, qui est encore un théorème de rappel. Et puis le, ensuite on fait la pause. Donc le théorème, c'est le théorème de décomposition spectrale euh, des, euh, des fonctions euh, localement constantes à support compact. Euh, donc on se donne un sous-groupe euh, ouvert compact arbitraire de g de fx euh, et euh, un élément euh, h arbitraire euh, dans euh, l'algèbre de K associée. Et, associé, et euh, on s'intéresse à la valeur de cette fonction h en un élément g. Alors, le théorème dit que ceci s'écrit... De manière unique, sous la forme d'une intégrale sur euh, la variété algébrique réelle des représentations unitaires tempérées, pour la mesure de Plancherel d'épi euh, de Hxpi de G. Ça s'écrit sous cette forme-là. Où donc, ça, ça, cette décomposition est unique. Donc unique sous réserve des deux conditions suivantes. La première condition, c'est que pour tout g, euh, la fonction qui a π associe hxpi de g, donc vous voyez, c'est une fonction sur, euh, espace, euh, sur cet espace-là, je demande que cette fonction soit un polynôme en π. Donc euh, on a dit ce que c'était qu'un polynôme en π, c'est un élément de l'algèbre que j'ai noté, euh, l'algèbre engendrée par les traces. Je demande que la, varia la variation en π pour g fixé soit une variation polynomiale, au sens précis que j'ai donné. Donc ça c'est la première condition, et puis comme hxπ a deux variables, bien sûr il y a une condition à la deuxième variable. Donc quand on fixe π, la fonction qui a g associé à hxπ de g doit être un coefficient matriciel de π. Et donc le théorème dit que euh, pour toute fonction, il y, y a une unique manière d'écrire la fonction sous cette forme. Donc décomposition, pourquoi est-ce qu'on parle de décomposition spectrale C'est parce que euh, euh, ici, vous avez euh, que, vous voyez, pour un π donné, c'est la deuxième condition, vous obtenez ici un coefficient matriciel, et les coefficients matriciels, en quelque sorte, ils forment le sous-espace propre associé à la représentation irréductible π. Donc ce que vous faites, c'est que vous avez une fonction quelconque sur le groupe et vous l'écrivez, vous la décomposez de manière unique comme euh, une intégrale euh, sur les représentations telles que les, les, les différentes composantes appartiennent dans la, aux espaces propres de cette représentation. Donc les espaces propres de cette représentation, c'est les coefficients matriciels. Ils caractérisent la représentation. Et, la repré et le, le, le groupe lui-même agit sur les coefficients matriciels suivant la représentation. Hein? Euh, donc ça c'est la première condition c'est la décomposition spectrale elle-même puis ici vous remarquez que vous avez la dépendance polynomiale en pi donc la, dif la, dé la dépendance polynomiale en pi, elle exprime le fait que la fonction que vous considérez est à support compact voilà, et ça c'est une remarque qui sera très importante pour nous pour ce que je vais faire tout de suite après la pause donc on fait la pause pour 5 euh, minutes juste ici j'ai fait des rappels et après je vais euh tout ça, pour une place Tout ça pour une place ultramétrique. Donc, le, 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 le cas des places archimédiennes est un peu différent. J'en je, parlerai. Le, 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 je commencerai à en parler la semaine prochaine. Non euh, euh, je dois aussi parler, quand même, de, 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 euh, des, des choses qu'on appelle non ramifiées. Euh, donc, euh, on dit que G est non ramifié en une place X, alors la place X ultramétrique, hein, c'est toujours ultramétrique. Euh, donc, comme, comme j'ai déjà quasi déployé, hein, non ramifié, ça veut simplement dire la chose suivante, ça veut dire que si je considère l'action sur euh, le groupe de Hall du groupe de Galois local, considéré comme un, un, un sous-groupe du groupe de Galois global, euh, eh bien, euh, cette action euh, en fait est, est triviale sur le, le sous-groupe de ramification. Donc, il y a une action induite de l'élément de Frobenius. Voilà. Donc, euh, on, peut, euh, euh, on, a, on a une action bien définie de l'élément de Frobenius sur G chapeau. Et je dois dire que le, le, ça, a une propriété importante, que de toute façon, un groupe est non ramifié en presque toutes les places, toutes les places sauf un nombre fini. Donc en presque toutes les places on a on a ça et on peut considérer l'élément de Frobenius. Bon, euh, pardon, sigma six non, euh, Bon alors euh, comme il y a une action de l'élément de Frobenius, ben, ça a un sens de prendre le produit semi-direct euh, de G euh, chapeau par cet élément de Frobenius. Euh, donc évidemment il s'inscrit euh, dans une suite exacte, ici euh, l'image c'est sigma xz z, euh, et euh, le noyau c'est G chapeau lui-même, hein, vous avez une suite exacte de groupe, euh, euh, alors euh, là, là, maintenant, euh, donc on introduit une notation, on note G euh, chapeau indice x, la fibre, de g chapeau au-dessus de l'élément sigma x. alors, donc, c'est une variété algébrique complexe. Euh, comme variété algébrique complexe, euh, évidemment, c'est isomorphe à g chapeau. mais euh, on la considère munie de l'action par conjugaison de g chapeau. Vous voyez la, la, donc l'action par conjugaison de g chapeau préserve cette fibre puisque G-chapeau est le noyau euh, de ce morphisme. Donc l'action par conjugaison de G-chapeau préserve cette fibre, euh, et donc il y a une action induite, et l'action par conjugaison sur G-chapeau X, ce n'est pas la même chose que l'action par conjugaison sur G-chapeau lui-même. C'est une action qui est tordue par l'élément de Frobenius. Non euh, donc ça, c'est la première chose... Euh, la... Pardon Pour les corps finis, c'est la construction de l'orbite. Bien sûr, oh, oui, oui, oh, oui, tout à fait. Hein, C'est-à-dire la conjugaison, on multiplie à gauche par g, à droite par g-1. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie à gauche par g, transformé par l'élément de Frobenius, et à droite par g-1. C'est une action tordue. Euh, bon, donc toujours est-il qu'on considère euh, cette action euh, tordue. Et enfin, une, euh, une deuxième conséquence très importante du fait que c'est non ramifié, c'est que le groupe algébrique g euh, sur f, bien sûr, peut être considéré comme un groupe algébrique sur fx. Et en fait, à partir du moment où il est non ramifié, il a une structure naturelle de, de schéma en groupe algébrique sur OX, les anneaux d'entiers de, de, de FX. Donc ça permet de parler de G de OX, qui est un sous-groupe de G de FX, dont on montre qu'il est compact, ouvert et maximal. Si c'est non ramifié. Oui, le, donc c'est l'hypothèse non ramifiée. Hein, tout ça c'est non ramifié. Euh, voilà, et alors dans ce cas-là, il y a des notations que j'introduis, c'est-à-dire que euh, quand, quand K est égal à ce groupe, ben, euh, je vais noter simplement le AGX G de OX, euh, je vais le noter AGX vide. Hein, C'est simplement un peu plus court, puis la même chose pour les, les ensembles pi. Hein, donc j'écris n'écris pas. Hein? Alors, euh, donc. Là, Ici on a le, le, le théorème très important suivant, euh, euh, qui est le, le théorème de Satake. Euh, donc ce théorème dit qu'il y a un isomorphisme canonique d'algèbre qui va de cette algèbre là, donc c'est l'algèbre des fonctions à support compact qui sont invariantes des deux côtés euh, par G de Ox vers l'algèbre des fonctions sur G-chapeau indice X qui sont invariantes par la conjugaison par G-chapeau. Donc évidemment, ça a des conséquences, c'est que d'abord cette algèbre-là est commutative, hein, parce qu'elle est isomorphe à une algèbre commutative. Hein. Euh, évidemment que l'algèbre de Hecke de toutes les fonctions localement constantes à support compact sur g de fx n'est pas commutative si g n'est pas commutatif Mais cette sous-algèbre des fonctions bien variantes par g de x est commutative, donc c'est un, un résultat qui n'est pas difficile mais euh, qui malgré tout est merveilleux. Euh, et euh, donc cette algèbre est commutative et elle s'identifie à ce que j'avais noté tout à l'heure, l'algèbre A, c'est-à-dire l'algèbre engendrée par les traces. Euh, bon, alors évidemment, si le groupe est déployé, il n'y a pas d'action de l'élément de Frobenius, et euh, ici on a simplement c de G, les, les fonctions invariantes par conjugaison sur G chapeau. Hein, euh, donc c'est une remarque. C'est euh, dans le cas déployé, dans le cas déployé, euh, ben, euh, on a simplement C de G, les, les fonctions invariantes par conjugaison sur G chapeau, et ici on sait que c'est la même chose que les fonctions sur le tor qui sont invariantes par le groupe de Weyl, Le groupe de Weyl que je note de cette manière là. Un W exposant G. Je mets exposant G parce que parfois c'est utile de mettre ajouter un X en indice euh, quand on considère des groupes de Weyl rationnels sur FX. Euh, voilà. Donc, par exemple, pour GLR, hein, le groupe, la forme déployée de GLR, eh bien, on a simplement euh, les, les polynômes symétriques en, N vari... en R variable. Alors, donc, ça, c'est la notion de groupe euh, non ramifié, euh, mais vous avez une notion euh, aussi de représentation de transfert non ramifié. Alors, vous supposez ρ, donc ρ c'est un homomorphisme comme ça, vers GLR chapeau, et euh, vous dites que ρ est non ramifié en X si G est non ramifié, et euh, quand on restreint ρ. Euh, et euh, la, donc c'est simplement le fait que le ρ est aussi trivial sur le sous-groupe d'inertie. Autrement dit, ρ induit un morphisme de G chapeau produit semi-direct avec sigma x à la puissance z, donc ça ça a un sens parce que G est non ramifié, vers GLR chapeau. Hein, le groupe d'inertie euh, du groupe local gamma de fx plongé dans gamma f euh, agit trivialement sur l'espace de la représentation. Hein, donc c'est le sens de ρ non ramifié. Alors, euh, si vous avez euh, euh, un tel homomorphisme, que vous prenez ici une fonction invariante par conjugaison, que vous la restreignez ici, vous obtenez ici une fonction invariante par conjugaison. Et donc, vous obtenez qu'il y a un morphisme induit qui va de C de GLR chapeau invariant par conjugaison vers, euh, vers, euh, par GLR chapeau. Vers C de G chapeau X, euh, invariant par conjugaison par G chapeau. Et ça, c'est euh, l'algèbre de et que euh, qu'on appelle sphérique. Hein, sphérique, ça veut dire invariant par euh, le, les, les éléments à coefficient d'un OX de G à l je la note de cette manière-là, vers euh, l'algèbre de et que sphérique de G. Hein, simplement par restriction des fonctions invariantes par conjugaison voilà euh, bon et alors maintenant on a tous les ingrédients nécessaires pour formuler la deuxième série de propriétés de la transformation de fourier que on voudrait donc je vais c'est un deuxième problème qui complète le premier et le précise donc c'est un problème ce que je vais écrire est un problème local et puis enfin le troisième problème que je, je, je donnerai à la fin de l'exposé aujourd'hui, c'est le problème global de formule de Poisson. Alors le problème local, c'est la chose suivante. Euh, donc je pars de G et de, la, de muni d'une représentation de transfert ρ et euh, 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 je considère euh, une place x de f que je suppose ultramétrique. Hein, donc pour le moment, je formule les choses simplement euh, pour les places ultramétriques. Alors, on voudrait associer à ça, c'est le problème, euh, un sous-espace linéaire de fonctions, alors des fonctions définies sur g de fx à coefficient dans c, euh, euh, et euh, ces fonctions-là, je les appellerai les rho-fonctions. D'accord hein, Donc, euh, y a, y a, je veux une notion de rho-fonction pour chaque place X. Euh, telle que euh, les propriétés euh, suivantes soient vérifiées. Premièrement, euh, je veux que les, les rho-fonctions soient euh, de carré intégrable pour la mesure des indices Roger. Je veux qu'elles soient de carré intégrable et euh, je veux que chacune euh, soit invariante par un sous-groupe ouvert compact K de g de, g de fx. Hein, donc, donc les deux propriétés que je demande sont des propriétés de régularité. Hein, donc invariante à gauche et à droite par un certain sous-groupe ouvert compact qui bien sûr dépend de la fonction. Donc ça c'est une propriété locale. Et puis la propriété globale, je demande qu'elle ne soit pas trop grosse, simplement qu'elle soit de carré intégrable pour le moment. Donc ça, c'est la première propriété que je demande. Ensuite, je veux que l'espace le, des refonctions soit invariant euh, par euh, les translations à droite et à gauche pour euh, un élément arbitraire du groupe. invariant par translation à droite et à gauche, et invariant par la transformation de Fourier. Hein, donc ce, ce problème complète le premier. Donc euh, je, je suppose que j'ai déjà défini une transformation de Fourier donnée par un noyau, euh, donc défini par K ro x. Hein, et, euh, donc je veux que l'espace des ρ fonctions soit invariant par transformation de Fourier. Par la transformation de Fourier et par son inverse. Hein, L'inverse qui est simplement donné par le noyau conjugué. Euh, donc je veux ça. Et euh, enfin, je veux. Euh, le, vous allez me dire jusqu'ici, euh, zéro combien. Euh, donc je demande que ce, ce sous-espace soit dense dans euh, l'espace de Hilbert des fonctions de carré intégrable. Donc dense. Dans l'espace L2 pour la mesure des Rogers. Donc, ça, c'est la deuxième propriété que je demande. Alors, la troisième propriété. Euh, c'est celle qui euh, fait apparaître ce qu'on appelle les fonctions L. Donc euh, je veux la chose suivante, pour toute représentation euh, lisse, admissible, irréductible, euh, je considère les intégrales suivantes, ce sont des intégrales sur g de fx, de d rho g, fx de g, euh, phi x de g, euh, le det indice g de g à la puissance s moins 1,5, que multiplie le det indice rho de g, toujours on prend la norme, à la puissance moins 1,5. Hein, donc je considère ces intégrales. Où, euh, alors associées à quoi Donc ici, fx doit être une rho fonction. Et euh, phi x doit être un coefficient matriciel de la représentation π. Donc vous voyez, je, je prends le, le, le produit scalaire d'une ro-fonction et d'un coefficient matriciel modulo torsion par un certain caractère. Et là, je m'autorise une variation. Ici, euh, s est un nombre complexe. Hein, donc je me, je, je me permets de faire varier ce caractère. Alors, ce que je veux, c'est que ces intégrales convergent absolument si la partie réelle de s est assez grande, et convergent vers quoi euh, Convergent vers euh, non seulement une fonctionnalité en s, mais de manière plus précise, vers une fonction rationnelle. En qx à la puissance moins s. Alors, que cette variable introduire, entre, euh, apparaisse, ce n'est pas du tout une surprise, parce qu'ici, vous voyez, vous, vous, euh, s, il apparaît à travers ça, et la norme indice x euh, de, de quelque chose, ça prend ses valeurs dans qx à la puissance euh, z. Hein? Donc, vous avez de toute façon les, 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 les puissances de qx qui apparaissent. Hein? Donc, euh, on veut que ceci soit une fraction rationnelle en qx à la puissance moins s. Euh, euh, voilà pour quel que soit le choix de fx et de φx. Donc on a comme ça une collection de fractions rationnelles. Alors euh, en plus on veut que ces fractions rationnelles engendrent ou forment, hein, euh, forment euh, un idéal fractionnaire. forme un idéal fractionnaire qui admet un, générateur, un unique générateur euh, qu'on note comme ça, Lx de ρ de pi et de z. Hein, donc z, c'est la variable z égale qx puissance moins s. Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les fractions rationnelles qu'on obtient, sont des multiples de ça et d'un polynôme en z. Euh, et euh, ce qu'on veut, alors euh, on demande quelque chose pour que, à propos de ce générateur, on veut que lx de ρ pi z moins 1, hein, l'inverse de, euh, de cette fraction, ça c'est une fraction rationnelle en z, on veut que l'inverse soit un polynôme. Polynôme en z, mais aussi, on demande une condition supplémentaire, c'est que ça soit aussi un polynôme en pi. Euh, qui vaut 1 en z égale 0. Donc ça veut dire que ce polynôme, ça s'écrit 1 plus des puissances de z, un nombre fini de puissances de z, avec des coefficients qui sont des polynômes en pi. Hein, genre, au début, j'ai dit ce que j'entendais par polynôme en pi. Donc j'ai demandé que... Non, 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 non. Donc ça, vous voyez que le... euh, ici, dans le point 3, il n'y a pas de transformation de Fourier. C'est l'espace doit permettre de, euh, de, de définir des fonctions L. Et euh, le point suivant, c'est que... Euh, non, 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 non. Le, le point suivant, c'est que c'est réciproque. C'est-à-dire que réciproquement, la connaissance de ces facteurs elle, détermine L détermine l'espace des fonctions. C'est une équivalence. Alors, c'est le point 4. Euh, donc, une fonction. Donc, c'est une fonction sur g de fx. À valeur dans C, qui est invariante à droite et à gauche par un certain sous-groupe ouvert K, et une ρ-fonction, si et seulement si plusieurs conditions sont satisfaites, enfin deux conditions. Premièrement, les restrictions aux fibres de. Bah, du déterminant. Voyez, vous prenez ⁇ g hein, ⁇ c'est un caractère qui va de g dans gm, vous le composez avec la norme indice x, hein, donc ça c'est quelque chose qui va de g de fx dans les puissances de qx, donc vous demandez que les restrictions au fibre sont à support compact. Donc attention, la fonction n'est pas à support compact. Mais sa restriction aux fibres, à chaque fibre, doit être un support compact. Donc c'est la première propriété. Pardon L'évaluation du déterminant. Oui, c'est-à-dire quand on fixe l'évaluation du déterminant, alors l'intersection du support avec cette, cette fibre est compacte. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que cette fonction... Euh, fx admet une décomposition spectrale de la forme suivante. Alors, je veux que fx de la variable, ça soit. Bon, d'abord, il y a une torsion par un caractère, le caractère det ρ, norme indice x à la puissance moins 1,5. Donc là, vous reconnaissez. Hein, si G égale GLR et est la représentation standard, c'est simplement le déterminant à la puissance R. Donc vous reconnaissez ce facteur qui est euh, habituellement dans la décomposition spectrale euh, des fonctions, euh, dans, dans le cas matriciel. Hein? Et ensuite l'intégrale sur bah, l'espace le, de décomposition spectrale habituelle, c'est-à-dire les représentations euh, unitaires tempérées, pour la mesure de plancherelle de... Euh, certaines composantes, que je note fxpi de point, que multiplie le facteur L. Alors attention, le facteur L, je, ici je prends pas pi, je prends sa contra et je, je prends la valeur en qx puissance moins 1,5. Hein, donc ça c'est un peu technique, C'est euh, bon, la, la valeur, ça dépend de la normalisation, l'important c'est que ici, on fixe la valeur de la fraction rationnelle en un point, donc la seule variable c'est pi, vous voyez, ici, cette chose ne, ne dépend pas de la fonction. Vous avez simplement π, qui est la variable d'intégration. Et attention, vous prenez π contre gradient. Le factoriel de π contre gradient. Euh, Ou, alors, donc on veut une décomposition spectrale de cette forme. La première chose, où deux, deux propriétés sont vérifiées. Premièrement, pour tout π, euh, la fonction qui a g associe fxπ de g. Euh, et un coefficient matriciel de π. Vous voyez, ça commence exactement comme la décomposition spectrale des fonctions localement constantes à support compact. Et la deuxième propriété, c'est que quel que soit g, la fonction qui a π associe fxπ euh, de, de g, cette fonction-là. Euh, est un polynôme donc ce que j'ai écrit c'est exactement la même chose que tout à l'heure quand j'ai écrit le théorème de décomposition spectrale des fonctions localement constantes à support compact sauf que vous voyez que ici dans la décomposition spectrale on autorise un dénominateur qui est un facteur L le facteur L est l'inverse d'un polynôme c'est un dénominateur Hein, on autorise un dénominateur et c'est précisément la présence d'un dénominateur qui autorise ces fonctions à avoir un support non compact. Hein, mais vous voyez, c'est assez contrôlé. On est euh, tout de même proche d'une situation à support compact. On, a un, on, autorise, mais le, euh, on autorise de manière contrôlée par euh, cette chose-là. Alors, les facteurs L, c'est 1 sur 1 moins. Bon, là, vous avez une somme de puissance de z. Quand vous développez en série formelle, vous voyez que vous n'avez que des, fonctions, des, des puissances de z positives. Donc, ça, ça veut dire que, en fait, fx est supporté euh, par. Si vous regardez les fibres de la valeur absolue du déterminant, euh, c'est supporté pour euh, des, euh, des déterminants, euh, des, enfin des valeurs absolues euh, bornées euh, supérieurement. Hein, parce que le, le, quand vous développez ça en série formelle, le développement est d'un seul côté. Hein, et vous avez un contrôle sur. Euh, le, voilà. Donc, vous euh, euh, voyez, ce que je demande dans la définition des refonctions, c'est que finalement, euh, donc ici, on a une place ultramétrique euh, se donner l'espace des refonctions, c'est équivalent à se donner les facteurs L. Alors, euh, mais ce n'est pas terminé. Alors, euh, donc maintenant, là justement, c'est évidemment la propriété qu'on attendait, c'est-à-dire la transformation de Fourier. J'ai dit que la transformation de Fourier, elle doit respecter cet espace. Et d'autre part, elle est compatible avec les translations à gauche ou à droite. Donc ça veut dire nécessairement que la transformation de Fourier respecte les décompositions spectrales. Alors, quelle est la, la, la seule possibilité ici ben, C'est que si vous avez une fonction. Euh, bon, je vais peut-être euh, l'écrire. Euh, J'efface en haut, là, ça sera plus euh, visuel. Hein, donc c'est le point 5. Oui, 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 je prends une fonction fx. Oui, absolument. Euh, tout est... Euh, oui, oui, parce que le, quand la décomposition spectrale... Enfin, la, la décomposition spectrale est unique. On demande que les fx' soient des coefficients matriciels de π. Donc, ça, c'est complètement. Euh, tu te donnes la fonction fx, tu supposes qu'il y a des fx, pi correspondants qui sont Voilà, oui, oui. Donc, je demande que les, 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 les ro-fonctions admettent des décompositions spectrales de cette forme. Encore une fois, ici, la condition, c'est une condition sur la variation en pi, que j'autorise à avoir. D'abord, je demande que ce soit des fractions rationnelles, et qu'il y ait un dénominateur fixé, indépendamment indépendant de la fonction, et fixé d'une certaine forme. Bon, alors, la propriété 5, euh, bah, c'est l'expression de la transformation de Fourier. Quand on a une fonction fx décomposée spectralement sous cette forme, bah, sa transformation de Fourier doit avoir la forme suivante. Donc l'intégrale euh, sur les hymnes de machin, euh, des π, euh, de, alors attention, ici vous avez FX pi. Et vous voyez, la transformation de Fourier, elle remplace la multiplication à droite par g par la multiplication à gauche par g-1. Donc à cause de ça, il est très naturel ici de prendre la variable à la puissance moins 1. Euh, que multiplier euh, le lx de ρ Attention, ici c'est lx de rho pi qx puissance moins 1,5. Et puis, il euh, euh, y a un facteur supplémentaire qui apparaît, qui est ce qu'on appelle le facteur epsilon. Rho pi euh, qx puissance moins 1,5. Euh, alors, donc voilà l'expression de la décomposition spectrale. Alors, ici, il y a des remarques qu'on doit faire. C'est que d'abord, euh, si fxpi est un coefficient matriciel de pi. Alors, le fxpi où j'ai changé la variable, je l'ai remplacé par son inverse, ceci est un coefficient matriciel de la contragrédiente. Hein, donc, c'est un fait général. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, on intègre sur. Non, on a changé la variable. Plus, la variable, c'est plus pi, c'est pi contragrédiente. Hein? Euh, donc, c'est normal qu'ici, vous ayez non plus du lx de pi contragrédiente, mais du lx de pi, parce que la contragrédiente de la contragrédiente, c'est la représentation de départ. Hein? Donc ça veut dire, ici, vous avez bien quelque chose de polynomial en π, vous avez le dénominateur que vous attendez, et euh, la, la, la transformation de Fourier bah, doit respecter ces espaces, mais là, simplement je dois garder le fait qu'ici j'ai un polynôme. Donc la seule latitude qui me reste, c'est ici de multiplier par quelque chose qui est également un polynôme, hein, puisque j'ai le bon dénominateur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit avoir epsilon euh, x de rho pi euh, z euh, qui doit être un polynôme en z et pi alors euh, attention donc polynôme en z et pi euh, attention c'est polynôme en z plus ou moins 1 parce que je peux autoriser des, des puissances négatives mais ça doit rester polynomial euh, polynôme en, en z plus ou moins 1 et pi puis attention parce que mon espace, il doit être stable non seulement par la transformation de Fourier, mais également par son inverse. Donc, ça, ça me dit qu'en fait, ce polynôme ici doit être inversible. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme inversible C'est un monôme. Hein, donc, ça veut dire, c'est un polynôme en z plus ou moins 1 et pi, tel que son inverse soit également un polynôme en z plus ou moins 1 et pi. Il à un monôme en z multiplié par quelque chose qui est en Oui, et qui est un monôme en pi. En un sens. Hein, là, il est inversible en π. Donc appelons ça à un monome. Euh, alors, euh, voilà, on a tout ça. Euh, mais ce n'est pas encore terminé. Euh, là, j'en étais à la propriété 5. La propriété 6, c'est euh, une propriété de compatibilité au terme constant. C'est-à-dire que si on a fx euh, une ρ fonction sur g de fx, alors le terme constant fxnp, que multiplie le déterminant euh, indice p norme à la puissance 1,5, euh, ceci doit être une ρm-fonction sur mp de fx pour tout sous-groupe parabolique p, en particulier pour le, le, le sous-groupe de Borel. Donc c'est une compatibilité avec ce qu'on attend déjà comme transformation de Fourier sur le tors. Alors, euh, donc ça, c'est cette propriété-là. Euh, maintenant, on veut la compatibilité. Euh, donc, le, euh, oui, ici, je peux faire une remarque tout de suite. C'est que euh, dans le problème 1 de tout à l'heure, hein, donc c'est une remarque interne au point 6. Euh, dans le problème 1 tout à l'heure, j'ai demandé que le, le, le passage au terme constant était compatible aux transformations de Fourier. Donc ça, ça se traduit immédiatement euh, euh, par euh, euh, la propriété suivante, c'est que si on se donne une représentation pi de g, euh, euh, voilà, euh, qui est euh, ce qu'on appelle une induite, euh, quand je dis induite, c'est induite normalisée, euh, d'une représentation euh, pi M, euh, euh, pi M euh, euh, du sous-groupe de Lévi M, eh bien, nécessairement, là, on doit avoir euh, Lx de rho pi Z égale euh, Lx de rho M pi M Z, et la même chose euh, pour les facteurs epsilon. Alors, et le, donc, le, le, voilà, on demande ça. Euh, et enfin, la, 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 la dernière propriété, euh, c'est... Euh, euh, c'est la suivante, bah c'est euh, préciser ce qui doit se passer pour euh, les, les, les places euh, non ramifiées, enfin pour la, la non ramification. Donc c'est la propriété 7. Euh, je demande que x soit non ramifié pour g et ρ. Et euh, dans ce cas-là, je peux regarder des représentations pi euh, appartenant à euh, la, la, la représentation, euh, euh, donc pi c'est des éléments, voilà, des re, je prends des, des représentations non ramifiées, et euh, donc là, je me demande ce que c'est que les lx de ρ, pi z, et les epsilon x de rho -pi z, Eh bien, euh, la propriété euh, euh, qu'on demande, euh, évidemment, c'est que ces deux choses-là soient les transformées de la défraction rationnelle suivante euh, le produit. Euh, sur les 1 ir de 1 sur 1 moins z i z. Donc ça c'est quoi C'est le produit sur les i des fonctions L classiques de q 0 euh, ZI, Z. Et ici, q 0 c'est le caractère trivial. Hein, donc là j'ai écrit simplement les fonctions L classiques, hein, qui sont simplement ça. Le produit des de, 1 sur 1 moins la variable. Il n'y a pas plus simple. Qu'est-ce qu'il donc le, le produit sur les i compris entre 1 et r de 1 sur 1 moins zi, z. Donc c'est une fraction rationnelle en, des variables, en la variable z et des variables z zi. Hein? Et puis, euh, donc ça c'est pour les facteurs L, et pour les facteurs epsilon, je prends le produit sur tous les i compris entre 1 et r des euh, facteurs epsilon classiques du caractère trivial. Avec la variable zi fois z et euh, relative au caractère psi x, parce que le, évidemment le, le, le facteur epsilon dépend du choix du caractère. Euh, donc je veux les transformer de ces choses-là, par quoi euh, Eh bien, par l'homomorphisme qui va de x vide vers hgx vide. Euh, pourquoi Parce que HRX vide, c'est simplement C de Z1 plus ou moins 1, ZR plus ou moins 1, euh, c'est les polynômes invariants en Z1 plus ou moins 1, ZR plus ou moins 1. Donc vous voyez qu'ici vous avez une fraction rationnelle en Z avec des coefficients z ZI. Et cette fraction rationnelle est symétrique en les ZI. Donc ça définit une fraction rationnelle en z dont les coefficients sont éléments de ça. Donc cette transformation vous donne, ici vous associe à ça, une fraction rationnelle en z qui est un polynôme en les π. Voilà. Et de même pour le facteur ε. Donc on demande que pour les, les choses non ramifiées, on ait ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, le, en quelque sorte, l'espace des, euh, des rho-fonctions il est déterminé dans sa partie non ramifiée. On sait exactement ce qu'on qu veut dans la partie non ramifiée parce qu'on a déjà les facteurs L et les facteurs epsilon. Et on a dit que ce, se donner cet espace des fonctions c'est équivalent à... Euh, enfin, se donner l'espace des fonctions c'est équivalent à se, donner euh, à se donner les facteurs L. Et se donner la transformation de Fourier sur l'espace des fonctions c'est équivalent à se donner les facteurs epsilon. Hein, donc, déjà, on connaît, euh, là, enfin, y a, y a, disons que le, les, la partie non ramifiée de l'espace des refonctions et la transformation de Fourier sur l'espace des refonctions sont fixées. Le problème, évidemment, c'est de prolonger. Alors, euh, pour le moment, il n'y a pas de formule de Poisson. Je veux quand même le faire. Euh, disons, il y a eu 10 minutes de pause tout à l'heure. Donc le, parce que le, donc là la, la, donc effectivement il faut quand même que je le fasse Et, euh, parce que c'est évidemment la dernière propriété qu'on attend euh, des euh, transformations de fourier, c'est la plus importante. Alors, euh, alors, le, 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 d'abord, il euh, euh, faut que je définisse une notion euh, de rho fonction globale. Hein, cette fois, on se place sur euh, G de A, G des Adèles, et euh, on a besoin d'une notion de refonction. De G des Adèles dans C. Bon, ben, par définition, c'est quelque chose dans l'espace euh, vectoriel, dans le sous-espace vectoriel, engendré par les produits sur toutes les places de fonctions fx, où euh, fx est une refonction sur g de fx, quelle que soit la place. Alors ici, vous allez me dire, on en a parlé pour les places ultramétriques, on n'en a pas parlé pour les places archimédiennes. Bon, les places archimédiennes, ça sera plus tard. Simplement, ici, je donne le, le, le principe. Dans les places archimédiennes, il y aura aussi une notion de refonction. Hein euh, voilà, donc, un, 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 voilà, on demande que tous les facteurs soient des re-fonctions euh, Et euh, on demande une condition euh, supplémentaire qui est que en presque toute place X euh, ultramétrique, euh, fx est euh, ce que j'appelle la refonction standard et ce que dans la littérature, d'autres personnes appellent, je crois, la refonction spéciale. Donc, c'est quoi C'est la, la fonction non ramifiée. Euh, donc, c'est une intégrale sur les... Alors, ici, il y a le, le déterminant habituel. Hein. Euh, bon, je n'écris pas. Enfin, le facteur de normalisation habituel. Ici, on prend les représentations non ramifiées, donc on est en une place non ramifiée, dpi de Lx, euh, euh, LX euh, rho pi euh, qx puissance moins 1,5. Euh, que multiplie euh, phi indice, euh, indice euh, euh, x euh, pi euh, de euh, la variable. Et ça, c'est quoi? C'est euh, l'unique euh, coefficient matriciel de π qui vaut 1 au point 1. Autrement dit, on demande que la... on prend une fonction sphérique l'unique coefficient matriciel euh, invariant des deux côtés par euh, g de x hein. donc on prend l'unique fonction sphérique dont la transformée de s'attaquer est la fonction L. Voilà. Hein, donc on demande euh, euh, voilà, donc les rho fonctions c'est des des, des fonctions globales, c'est des produits de rho fonctions locales qui en presque toutes les places sont égales à ça. Vous voyez que dans le cas de GLR, cette fonction-là, c'est simplement la fonction caractéristique de MR de OX. Hein, donc il est normal de la trouver en presque toutes les places. Voilà. Euh, bon, donc euh, on a comme ça une notion de ρ-fonction euh, globale et euh, on a une notion de retransformation transformation de Fourier. Parce que si on a une fonction, un produit. Sur toutes les places de fonction fx, bien sûr, on peut lui associer le produit sur toutes les places des transformations de Fourier locales. Alors, ici, euh, la, cette propriété que presque tous les facteurs soient la, la fonction euh, euh, locale, euh, donc euh, la, la fonction standard, cette propriété est préservée parce que, en fait, quand on prend les représentations non amifiées, eh bien, avec la propriété qui est là, les facteurs epsilon valent 1 en presque toutes les places. Toutes les places non ramifiées où psi x a pour conducteur 0. Hein? Donc, euh, le, on a qu'en presque toutes les places, la, tra la euh, fonction standard ou spéciale est euh, sa propre transformée de Fourier. Euh... Voilà, donc euh, maintenant on a une notion de refonction euh, globale euh, et on voudrait formuler euh, au moins un énoncé conjectural euh, pour euh, une formule de poisson. Alors évidemment, euh, ce qu'on a envie de faire, euh, c'est euh, on a f et f chapeau et on a envie de comparer. Euh, la somme sur les éléments de G de F de F de gamma et la somme sur les éléments de G de F de F chapeau de gamma. On a envie de comparer ces deux sommes, euh, mais euh, évidemment, euh, ça ne peut pas être égal en général, euh, parce que euh, déjà dans le cas euh, linéaire habituel, dans le cas des matrices, euh, pour avoir l'égalité, il faut les termes de bord. Alors. Euh, donc, pour éviter ce, ce problème, euh, en fait, euh, on a besoin euh, d'exprimer de, de, déjà la formule de poisson habituelle sous une forme multiplicative, c'est-à-dire une forme qui ne fasse pas référence au bord. Et en fait, c'est possible. Euh, donc, pour ça, on va poser la définition suivante, c'est une définition générale. Donc, je prends euh, X une place euh, ultramétrique. Euh, et euh, je considère une rho-fonction sphérique. Donc qui va de G de Fx. Donc sphérique, ça suppose, donc ça veut dire invariant des deux côtés par G de Ox. Ça suppose en particulier que la place est non ramifiée pour G. Voilà. Euh, et donc euh, cette fonction sphérique, je regarde sa décomposition spectrale donc c'est le dette à 10 norme à la puissance moins 1,5, que multiplie l'intégrale sur euh, les représentations non ramifiées, qui sont euh, unitaires et tempérées, euh, dpi fxpi euh, de point euh, fois le dénominateur, qui est donc euh, le factoriel. Là, j'ai simplement recopié la définition des rôles fonctions. Et alors, maintenant, je considère deux entiers quelconques, n et n', et à partir de ça, je peux définir fx de nn'. N de points, donc c'est une fonction qui est définie un peu de la même façon, enfin qui est définie à partir de la fonction de départ en termes spectraux. Donc je vais simplement modifier un peu la décomposition spectrale, donc c'est l'intégrale sur le même espace de π de fxp de points que multiplie le lx de rho pitch qx puissance moins 1,5, donc ici jusqu'à présent je n'ai rien changé. Mais ici, j'ajoute quelque chose, j'ajoute un facteur que je vais noter comme ça, i indice xn de rho pi qx puissance moins 1,5, et i indice xn prime de rho pi qx puissance moins 1,5. Alors, euh, pour que ceci ait un sens, j'ai besoin de préciser ce que, je, ce que signifie. I, X, N de rho pi, z. Euh, euh, donc, c'est un, un polynôme en z. Un polynôme en z qui est le produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'inverse de la fonction L. Hein, J'ai dit que la fonction L était l'inverse d'un polynôme. Donc cet inverse est un polynôme. Produit de ça et du monome de degré n dans la décomposition, euh, dans le développement, pardon, le développement en, en, euh, en série formelle. de la fonction L elle-même. Vous voyez, la fonction L, c'est 1 sur 1 moins euh, puis des puissances de Z. Donc on peut développer ça en série formelle. C'est euh, une somme de puissances de Z. Donc ici, je prends euh, la, 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 le, le, finalement la, la contribution de degré N en Z. De degré N en Z. Alors, évidemment, si je fais la somme sur tous les n, je trouve 1. Parce que j'ai. Hein, donc, c'est une remarque importante. Voilà, donc ici, j'ai cette définition. Et on a. Donc, une, euh, On peut faire plusieurs remarques. Euh, donc, la première que je viens de faire, euh, c'est que euh, la somme sur n des i, x n de ρ, pi z, donc c'est une somme de polynômes, mais je peux faire cette somme dans l'anneau des séries formelles. Et dans l'anneau des séries formelles, cette somme est égale à 1. Bon, d'autre part, euh, si je remplace z par qx puissance moins 1,5 et que je, je fais la somme, eh bien ça converge absolument. Et euh, immédiatement, on en déduit euh, la, 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 une autre propriété euh, importante, c'est que, euh, quelle que soit g, la somme sur les nn' appartenant à N des fx nn' de g, donc cette somme-là, c'est égal à fx de g. Autrement dit, j'ai pris ma fonction fx, je l'ai simplement décomposée en morceaux. Alors quel est l'avantage des morceaux en question Vous ben voyez que le, là le, le xn de Pitchetch, il contient en facteur l'inverse de la fonction L. c'est l'inverse de la fonction L fois un polynôme. Donc cet inverse de la fonction L il se simplifie avec ça, il le fait disparaître. donc il ne reste plus qu'un polynôme et polynôme ça veut dire fonction à support compact. Donc ça veut dire que le, chaque F, X, n prime n', est un support compact et également sa transformation de four, sa transformée de fourier parce que vous voyez que ici la transformée de fourier vous remplacez simplement euh, pitch -edge par pi et vous avez ici quelque chose qui élimine le dénominateur en pitch -edge et quelque chose qui élimine le dénominateur en pi. Donc vous avez simplement écrit votre fonction comme une somme de termes, qui sont un support compact ainsi que leur transformée de Fourier. Bon, et eh bien, une fois qu'on a fait ça, euh, on peut formuler le, le problème de formule de Poisson. Qui n'est pas seulement un problème, parce que en fait l'énoncé que je vais donner, euh, dans le cas de classique, le cas de GLR est un théorème. C'est-à-dire, c'est une manière alternative d'exprimer la fonctionnelle de Poisson habituelle. Une manière alternative est compliquée, évidemment. La fonctionnelle de poisson habituelle dans le calinaire, elle est, elle est, elle est très somme. C'est la somme sur les éléments de mr de f. Mais le problème, c'est que cette expression-là n'est pas multiplicative. Alors que ce que je vais écrire est multiplicatif. Ben, tu, ça veut dire que ça ne fait intervenir que le groupe G. Euh, tu vois que le passage de cette fonction-là à ces machins-là se lit... Sur la décomposition spectrale, donc tu ne considères, tu es sur le groupe et tu considères l'action du groupe sur lui même par translation à gauche et à droite, rien d'autre. Voilà, il n'y a, de, de, a pas de bord dans tout ça. Alors euh, euh, donc c'est le troisième et dernier problème. Alors on voudrait, on voudrait la chose suivante. Euh, on voudrait la chose suivante, quel que soit f euh, de g de a dans c, une ro-fonction, Une ro-fonction globale. Donc pour toute f comme ça, on voudrait, la, on voudrait les propriétés suivantes. Donc il y a trois propriétés. Premièrement, euh, quel que soit x, euh, donc une place ultramétrique, euh, où g, rho sont non ramifiés, hein, j'ai dit que, euh, que ça, c'est vérifié en toutes les places, au un fin nombre fini, et f s'écrit sous la forme, d'un produit où fx donc, est une fonction sur g de fx, et puis le fx avec un exposant en haut, c'est une fonction sur toutes les autres places. Hein? Donc, mais là, ce que je veux, c'est une fonction sphérique, euh, qui donc, euh, par définition, doit être une ρ-fonction locale. donc je, euh, Évidemment, on a une factorisation comme ça, en toutes les places, sauf un nombre fini. Donc il y a énormément de plastiques qui vérifient cette propriété. Donc je regarde une, une place arbitraire, vérifiant cette, ces conditions assez faibles. Et alors je peux faire la chose suivante. Euh, je peux... Ben, prendre ma fonction f, mais en modifiant son facteur, sur, son facteur local en x. Et je le modifie à la manière que j'ai écrite là. Hein, cette manière a un sens pour toute fonction sphérique. Donc je modifie. Euh, je fais la somme sur les gamma appartenant, et j'évalue cette fonction en les éléments rationnels du groupe. Alors évidemment, ici, euh, j'ai euh, des, des n, n', donc ce que je fais, c'est que je fais la somme. Attention, je ne suis pas sûr que ça converge. En fait, ça ne converge pas, en général. Donc, je forme une série formelle à partir de ça, en une variable z. Et alors, ce que je demande, c'est que ceci est. Euh, ben a priori c'est une, euh, une série formelle en z. Je demande que ça soit une fraction rationnelle en z. Première propriété. Deuxième propriété, sa valeur régularisée en z égale 1. Euh, noté S de F ne dépend pas du choix de la place X. Alors qu'est-ce que je veux dire par valeur régularisée? Vous voyez que vous avez une fraction rationnelle en Z. Donc il peut se produire que cette fraction rationnelle est un pôle en z égale 1. Mais euh, même s'il y a un pôle... Euh, vous pouvez écrire votre fraction rationnelle, donc c'est disons R de Z, vous pouvez l'écrire sous la forme R0 de Z, plus une somme sur des i compris entre 1 et k de certains coefficients ai que multiplie Z moins, donc ce qui m'intéresse c'est 1, Z moins 1 à la puissance i. Vous l'écrivez de cette manière-là, c'est une écriture unique, et ceci n'a pas, euh, donc sans pôle en Z égale 1. Hein, euh, donc là, je l'écris pour une. Euh, en fait, on a des fractions rationnelles. Évidemment, ça aurait un sens aussi pour des fonctions analytiques. Hein, et ce donc la valeur régularisée, euh, c'est R0 de 1. Voilà. J'ai simplement enlevé la partie, euh, la, 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 la partie polaire. Donc ça a un sens. Et donc je demande que la valeur régularisée en Z égale 1 ne dépend pas du choix de la place. Donc ça, c'est la, la, la première propriété que je demande. La deuxième propriété que je demande, c'est que donc ce S de F, qui est, il est bien défini puisqu'il ne dépend pas de la place, et eh bien vérifie la formule de Poisson. S de F égale S de F chapeau. Euh. Oui. Alors, on peut se demander... Si ce S de F, c'est la fonctionnelle de Poisson, euh, en fait, pas tout à fait. Euh, pour retrouver la fonctionnelle de Poisson arbitraire, il faut, on va former la somme sur les gammas appartenant à G de F de F de Gamma, plus la somme sur les gammas appartenant à G de F de F chapeau de Gamma, moins S de F. Voyez, donc euh, je prends s de f, je prends la différence de s2f de et de quelque chose qui est également symétrique en la transformation de Fourier. Hein? Euh, donc cette chose-là, c'est cette chose-là que je vais noter de manière abusive euh, sur la somme sur les éléments de g-bar de f euh, de f de gamma. Mais attention, hein, c'est pas une somme. Euh, donc pour ça, je le mets entre guillemets, c'est une notation abusive. Euh, pourquoi cette notation C'est que simplement dans le cadre GLR et de, ou, ou, dans le cas où, du, du groupe GLR. Et de la représentation standard du groupe dual, et euh, eh bien cette différence-là est la somme sur euh, les matrices. Hein, donc euh, c'est pour ça que cette différence généralise. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça veut dire que là, évidemment la formule de Poisson. Elle est euh, équival Donc, euh, j'ai écrit là-bas, S de F égale S de F chapeau, la symétrie, là, enfin le fait que S est respecté par F chapeau, par le, la transformation de Fourier, c'est équivalent à dire que cette somme aussi est respectée par la transformation de Fourier. Euh... Bon. Euh... Euh... Oui, la, la dernière propriété qu'on qu demande, c'est voilà, le fait que cette chose-là, que j'ai écrite entre guillemets, est égale simplement à la somme sur les éléments du groupe si en au moins une place x, on a f égale, donc f admet une factorisation, où le facteur local est à support compact. Quand vous avez un facteur local à support compact, euh, alors attention ici, c'est euh, en une place X ultramétrique. Hein? Euh, quand, quand le facteur local est à support compact, là, évidemment, euh, vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de terme de bord. Donc euh, c'est la troisième propriété qu'on demande. Et euh, donc là aussi évidemment elle est, elle est vérifiée dans le cas habituel hein, là, puisque ceci j'ai dit c'est la somme sur les éléments, de, sur les matrices mR de f. Bon, donc euh, voilà, j'ai euh, euh, terminé. Euh, oui, la, la, la dernière chose que je voudrais énoncer, euh, c'est euh, simplement le rapport avec la fonctorialité. Hein, malgré tout, c'est important. Euh, euh, donc euh, je vais écrire là le rapport avec la fonctorialité. Alors c'est en fait c'est équivalent. Mais alors c'est équivalent au sens suivant, donc c'est un double euh, théorème. Euh, avec euh, quelque chose dans les deux sens. Donc, le premier théorème, c'est que l'existence. Donc, vous prenez G et la représentation de transfert ρ. Alors, euh, si vous connaissez le transfert automorphe de G à G, au sens de Langlands, de G à GLR via ρ, c'est-à-dire le fait que la représentation ρ induit une enfin qu'elle qu vous permet de transformer les représentations automorphes de G en des représentations de GLR, alors ceci implique une solution positive aux, aux, aux trois problèmes. Donc les deux premiers problèmes locaux. Et euh, le problème global de formule de Poisson. Alors, pour la, la, la réciproque, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc, vous faites la chose suivante. La, euh, oui, aux trois problèmes. Alors, attention, euh, relativement à ρ et g. À g et ρ. Hein, C'est-à-dire, si vous avez le transfert automorphe de g à ρ, alors vous récupérez. D'abord une, une, une retransformation de Fourier et une formule de Poisson sur G, sur G des Adèles. Dans l'autre sens, euh, donc c'est la chose suivante, vous, vous, vous allez euh, faire la, 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 la chose suivante. Vous, vous allez, donc d'abord on a besoin d'une définition. Vous prenez un entier r prime quelconque, euh, au moins égal à 1. Et à partir de, de R prime, d'abord vous formez G chapeau euh, R prime, c'est quoi C'est G chapeau fois GLR prime chapeau, c'est-à-dire GLR prime de C, divisé par C fois. Alors le plongement de C fois, c'est quoi Le plongement de C fois, fois là-dedans, c'est vous avez un élément Z et vous lui associez, le dual du déterminant indique G, donc c'est ce co-caractère central, virgule Z-1. D'accord Ça a un sens. Et vous remarquez que euh, maintenant, vous avez un homomorphisme induit qui va de G chapeau R' produit semi-direct avec gamma F dans GL RR' de C. Pourquoi Parce que ça, c'est la, la, la même chose que G chapeau produit semi-direct gamma f que multiplie GLR' de C, euh, le tout divisé par C chapeau. Et donc votre homomorphisme, c'est défini de la manière suivante. Vous avez un couple GG' et vous lui associez ρ de G, produit tensoriel G'. Rho de G est une matrice, c'est un élément de GLR. Euh, G prime, c'est une matrice, c'est un élément de GLR prime. Vous faites le produit tensoriel de ces deux matrices. Vous avez comme ça une représentation produit. Hein, et bien sûr que le, 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 le C fois qui est là, il, il est trivial. Hein, donc, vous avez bien cette représentation. Et alors, qu'est-ce que c'est que GR prime maintenant? Eh bien, euh, GR', euh, c'est euh, euh, induit dans un... C'est simplement, euh, vous l'obtenez dans un carré cartésien. Vous avez GM, ici, vous avez le déterminant ordinaire, et là, vous avez le déterminant indigé G. Donc euh, ça, ça a un sens pour tout R'. Et donc le théorème, une fois que vous avez cette définition, le théorème, c'est que euh, une solution... Des trois problèmes euh, pour g indice r-1, vous voyez, c'est pas g lui-même, c'est en quelque sorte g fois g à moins 1 euh, plus rho indice r-1, hein, donc les trois problèmes, ça veut dire transformation de Fourier, espace de rho fonction, et formule de Poisson. Donc si vous connaissez ça, alors. Vous avez le transfert automorphe de G à GLR via ρ. Vous voyez, ici, pour aller dans l'autre sens, vous avez besoin d'une formule de Poisson sur un groupe plus gros. Donc ça correspond au fait que, comme il est bien connu, que si on veut montrer qu'une certaine fonction L est automorphe, ses propriétés globales ne suffisent pas. Il faut euh, les propriétés globales de la fonction L considérée tordues par n'importe quelle représentation de GL R-1. Voilà. Donc, ça, on peut d'ailleurs utiliser ces théorèmes pour démontrer ça. On peut aussi utiliser le, les, les, euh, les constructions que j'avais développées euh, le, le, depuis un certain nombre d'années euh, pour ce que j'appelle la, la construction de noyaux du transfert. En fait, quand on a la formule de Poisson, ça permet de construire des noyaux du transfert de, de G à GLR, c'est-à-dire des choses qui sont un peu plus fines que la fonctorialité, mais bon, presque équivalente à la fonctorialité. En fait, équivalente via ces deux théorèmes. Voilà. Donc euh, là, j'ai, excusez-moi, j'ai été trop long. Euh, mais euh, pardon. Bah oui. Euh, euh, excusez-moi. Euh, donc euh, voilà. Donc là, j'ai posé le, 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 le problème. Euh, donc la prochaine fois, je voudrais examiner le cas des tors et puis euh, j'espère euh, terminer à la fin en, en introduisant un premier objet euh, qui lui est vraiment relatif au groupe réductif euh, G. Euh, et puis la fois suivante ou euh, peut-être même une quatrième fois, euh, je voudrais euh, surtout euh, examiner euh, le cas de GL2 et des puissances symétriques de GL2, qui euh, bon, malgré tout sont les euh, en quelque sorte les, les blocs élémentaires euh, à partir duquel sont construites euh, euh, les représentations. Euh, voilà.